Allah. Il dit, annonce de moi, même s'il s'agit d'un seul verset. Alors, vous pouvez venir, les chefs. Ça passe par nous. Ça passe par nous, venez. C'est ok. Alhamdulillah, sur l'apothéose ici, le repère Amdallah. Voilà, nos deux gladiateurs sont là. Ismaël Atta et Oustaza Jani. Il a tourné. À t'appuyer. À t'appuyer. Pour m'attaquer, Alhamdulillah. Monsieur, t'as pas de talou. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ادعوه الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادله بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته
Wala ta'amuduna illa wa antum muslimun. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. C'est au nom d'Allah le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous sommes en Guinée. Nous sommes venus en tournée dans ce beau pays, la Guinée. Et nous avons passé par la grâce d'Allah 2 semaines sur le territoire guinéen. Et par la grâce d'Allah, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose pour dire au revoir à nos frères et sœurs, population de la Guinée. Et Inch'Allah, peut-être se donner rendez-vous l'année prochaine. Mais avant de partir, nous voulons encore réitérer, nous voulons encore sensibiliser, nous voulons encore prôner le même message de l'islam. Et c'est ce message que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tous les 124 000 prophètes et 313 messagers. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, parce que nous avons pu dormir et se réveiller en bonne santé. Nous disons Alhamdulillah qui signifie la louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Exactement. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2022. Qui correspond au 29 Rabiul Sani 1444 de l'Égypte. Et dans notre journée, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais nous allons continuer de parler. On a eu des échanges fraternels avec les non-musulmans. Hein? Et comme Allah le dit dans le Coran, wa qul ja al-haqqu wa zaqa al-batilu innal batila kana zahuqa. Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. Et c'est ça l'islam. La beauté de l'islam, nous sommes dans la vérité. C'est l'islam qui est vrai. Non. Il n'y a pas de religion en dehors de l'islam, nous le disons. Non. Mais il ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut le prouver également. Exactement. Mais en prouvant que l'islam est vrai, à un musulman, ça ne fait que renforcer sa foi. En prouvant à un non-musulman que l'islam est la vérité, ça ne peut que le convertir à l'islam. Yeah. Et si le non-musulman qui est en face de nous refuse d'admettre certaines vérités, automatiquement, ses adeptes, les fidèles qui le suivent, comprendront automatiquement que non, il est incapable de démontrer que sa religion est la vérité face à la vraie religion. Yeah. Parce que quand tu prends plusieurs religions et que tu déposes, vas-y, mais les religions ne parleront peut-être pas d'elles-mêmes. Mais nous venons pour démontrer, voici la vraie, avec la preuve à la pu, voilà celle qui peut vous sauver. Maintenant, en vous montrant la vraie religion, tu comprendras automatiquement d'où viennent les autres. C'est ça aussi qui est l'islam. Mais alors, nous demande par la sagesse et la bonne exhortation. On a eu des échanges avec les non-musulmans, Alhamdulillah. Nous attendons encore toujours les hommes de Dieu. Hein? Nous attendons qu'on nous prouve que l'islam est faux. Allah n'est pas le véritable Dieu créateur de ceux de la terre. Non. Il n'y a pas de salut. Le salut, c'est quoi? Comment obtenir le paradis? Ça n'existe pas l'islam. Et que tu ne peux pas être musulman pour être sauvé. Parce que nous nous disons, c'est quand tu seras musulman que tu pourras aller au paradis. Maintenant, celui qui n'est pas musulman, s'il se retrouve au paradis, c'est la miséricorde d'Allah, c'est la grâce d'Allah. C'est Allah qui lui a fait miséricorde. Allah dans le Coran, sourate 15, verset 2. Non. Au jour du jugement, ceux qui ont vécu, ils vont regretter en disant ceci. Si on savait, on allait devenir musulman. Allah dit, oh, vous qui croyez, non. Craignez Allah comme il doit être créé. Oui. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Exactement. Ne mourrez, c'est vrai, mais ne mourrez qu'un musulman. Non. C'est pour ça que nous disons aux enfants que la religion, non seulement donnée par Allah, c'est l'islam. Non. Mais la religion aussi acceptée, c'est l'islam. Exactement. Dans la Bible comme dans le Coran. Non. L'Éternel Dieu a donné l'islam dans la Bible comme dans le Coran. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que dit l'islam? Soumission à la volonté d'Allah. Les prophètes qui sont venus avant Mohammed, qui est le dernier des prophètes? Est-ce que ces prophètes-là étaient soumis à l'Éternel? Oui, ils étaient soumis. Non. Mais quand on est soumis à Allah, d'abord comment? Musulman. Moussa alayhi salam. Dans l'islam, Moïse, non. On l'appelle Moussa. Exactement. David, on l'appelle Daoud. Non. Youssouf,
On appelle Joseph. Non. Yunus. On appelle Jonas. Non. Ayuba. On appelle Job. Non. Salomon. On appelle Suleiman. Non. Abraham. On appelle Ibrahim. Non. Isaac. On appelle Ishaq. Non. Ou encore Isaac. Non. Ismaël. On appelle Ismaël. Non. Noé. On dit Nuh. Non. Lot. On dit Lut. Non. Jean-Baptiste. On dit Yahya. Non. Jésus. On dit Isa. Non. Mohammed sur la salam. Mohammed sur la salam. Parce qu'il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité entière. Exactement. Mohammed sur la salam est le sauveur de l'humanité tout entière. Moussa alayhi salam, Allah l'a envoyé pour les enfants d'Israël en Égypte. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, Allah l'a envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, est-ce que l'envoyeur est plus grand que celui qui l'a envoyé? Jamais. Non. Les Écritures disent non. Non. Est-ce que dans la Bible, est-ce que dans le Coran, oui. Est-ce qu'il y a une autre religion que Jésus pratiquait ou encore les autres prophètes pratiquaient? Est-ce que chaque prophète a apporté sa religion? Mais si chaque prophète a apporté sa religion, mais ça veut dire que ça sera le désordre sur la terre. Exactement. Parce que chacun va suivre le prophète qui a apporté sa religion. Mais Allah dit dans le Coran, sourate 21, verset 25, nous n'avons envoyé des messagers qu'en lui disant, pas de divinité à part Allah et obéissez-moi et soumettez-vous à lui. Non. Pas de divinité. Tous les prophètes sont venus le mentionner. Moïse, paix de Dieu soit sur lui. Deutéronome 6, verset 4. Vas-y. Moussa alayhi salam dit ceci. Non. Écoute Israël. Oui. L'Éternel, notre Dieu là, est l'unique éternel. Mais quand il dit l'Éternel, notre, y compris lui-même Moïse. Non. On est d'accord? Oui. Jésus-Christ, paix de Dieu soit sur lui, a répété la même chose. Non. Dans Marc chapitre 12, verset 9. Vas-y. Il dit, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, il est unique Seigneur. Non. Mohammed sur la salam a répété la même chose. Non. Dit, il est Allah unique. Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Non. Il n'a jamais engendré. Ah. N'a pas été engendré non plus. Exactement. Personne n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Non. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi, nul n'est égal à moi. Non. Mais le Dieu qui est en train de dire ça, il a envoyé Jésus. Il a envoyé Mohammed sur la salam. Oui. Il a envoyé tous les prophètes pour venir sauver certains pour leur peuple. Mohammed sur la salam a été envoyé pour l'humanité tout entière. Selon la Bible et le Coran. C'est pourquoi aujourd'hui c'est la prophétesse. Tous ceux qui sont là, ne venez pas dire non, si j'étais là, j'allais venir essayer de leur prouver que non, l'islam est faux. Et que le salut se trouve en islam. Mais après notre départ, si tu viens dire ça, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Nous avons passé 15 jours ici. Tu avais l'occasion de venir prouver de quoi tu étais capable. Parce que nous nous disons, on a la vérité, mais on va confronter notre vérité à d'autres vérités s'il y en a. C'est ça. Il faut montrer ta vérité. Et jeunesse musulmane, vous qui êtes musulman, wallahi, soyez fiers d'être musulman. Mais en même temps, non. Essayons de nous adapter. Essayons de changer de comportement. Non. Essayons de suivre ce que nous enseigne nos imams. Oui. Essayons de suivre ce que Allah même a dit dans le Coran. Oui. Pour, n'est-ce pas, nous conformer, n'est-ce pas, à l'enseignement islamique. Non. Le comportement des musulmans peut chasser un non-musulman. Exactement. C'est-à-dire le bon comportement peut amener quelqu'un, mais le mauvais comportement peut chasser quelqu'un. Exactement. Aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup de personnes qui sont converties à l'islam. Oui. Hein? Oui. Beaucoup de personnes sont converties à l'islam. Mais il faut que nous essayons au niveau de l'islam, oui, de penser aux convertis là. Exactement. Ismaël est converti, il sait de quoi il s'agit. Non. Quand tu te convertis nouvellement à l'islam, et qu'il n'y a personne pour te soutenir, hey, moralement, non, dans la culture, c'est-à-dire que dans l'enseignement islamique, non, mais même financièrement, oui, ça devient difficile. Exactement. Et le plus souvent, c'est bien des personnes quittent l'islam. Non. Quelqu'un qui rentre dans l'islam depuis quitte.
avec ces gens de conditions, ils sont avec une mauvaise image de l'islam. Exactement. Le plus souvent, et même partout, ce n'est que dans le mois de Ramadan qu'on voit souvent, nous musulmans, on s'approche des convertis. Non, c'est un peu délicat. Beaucoup de convertis nous appellent pour leurs problèmes, mais je pense qu'ils sont convertis à l'islam, ils ont besoin de nous, de l'enseignement. Exactement. On a converti par la grâce d'Allah des personnes. Non. Un mois après, on appelle la soeur, elle dit non, je n'ai pas quoi prier. Mais comment? Elle dit non, mais il n'y a personne pour m'encadrer, etc. Mais il se trouve que, alhamdulillah, nous avons remédié, nous sommes en train de remédier à ça, non, avec en créant des groupes sur WhatsApp pour les encadrer. Parce que quitter une religion devenue musulman, oui, tu as quitté les ténèbres pour aller à la lumière. C'est ça. Pourquoi? En islam, la divinité des musulmans, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et tu ne peux pas le voir et vivre. La Bible même dit, dans l'Exode 31, Dieu dit à Moïse, personne ne peut le voir et puis il va vivre. C'est clair? Jésus a dit la même chose, Jean 5, 37, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Non. Nous disons qu'on a la vérité. Et réellement, c'est l'islam qui est vrai. Mais en même temps, essayons. On va voir les jeunesses guinéennes. Nous, on veut entrer en Côte d'Ivoire en voyant que là, ils ont compris le bien fondé de l'islam. Parce que le groupe qu'on va laisser ici, la DTL de Guinée, ils vont continuer de prêcher derrière nous par la grâce d'Allah. Ils vont faire des rappels. Avant la fin de cette conférence, ils viendront donner leur programme. Et vous allez venir les assister chaque soir ou chaque dimanche ou chaque vendredi pour que le mouvement puisse continuer, parce que c'est ça la dawa. Exactement. Dawa appelait les gens à l'islam. Yeah. Et c'est ça le rôle de la jeunesse musulmane. Exactement. Nous devons sortir vers dawa. Oui. Dis aux gens, le terroriste n'est pas dans l'islam. Exactement. Un musulman n'est pas un terroriste. Oui. Mais c'est les terroristes qui disent que là, ils sont musulmans. L'alliance. Il faut qu'on l'explique aux gens. Non. Les gens ont une confusion. Oui. Les musulmans sont les ennemis des chrétiens. Hey. Les musulmans sont les antéchrists. Non. Mais si on ne sort pas dans la rue pour dire non, frère, oui, tu es chrétien, non? Oui. Je ne suis pas ton ennemi. Jamais. Je suis ton frère. Non. Mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu adores le fils de Marie qui n'est pas Dieu. Exactement. Parce que tu adores Marie elle-même qui n'est pas une divinité. Exactement. Si tu es mort dans sa frère, on va ici, Allah ne fait pas musulman, tu vas aller en enfer. Oui. Quelle preuve? Tu lui donnes les preuves dans la Bible, tu donnes les preuves dans le Coran. Il a dit, regarde, s'il n'a pas accepté, sera 3 verset 20, ton devoir n'est que la transmission du message. C'est ça, l'a dit. Vas-y. Donc voilà pourquoi nous venons, nous appelons les non-musulmans. Notre dawa sont, ça y est dirigé à 70% vers les non-musulmans. Exactement. Mon frère, oui, tu es déjà musulman. Non. J'ai quoi à t'apprendre? Tu es déjà musulman. Non. Peut-être que même la même dame, tu connais même que moi. Peut-être. Mais je te dis quoi? Moi je vais t'enseigner quoi? Mais lui là, il n'est pas musulman. Il s'assoit, il écoute la prédication des musulmans. Mais je ne parle du Coran, c'est vrai. Oui. Je parle du Coran, c'est vrai. Oui. Imaginez qu'il ne croit pas au Coran. C'est ça. Il est assis, hein, mais il ne croit pas au Coran. Celui qui dit ça, c'est vrai. Il ne croit pas au Coran. Enfin, comment? Je lui dis, est-ce que avant d'aller prier là, tous les prophètes ont pris la punition, voilà, voilà, voilà. Il se purifiait d'une manière ou d'une autre. Il ne croit pas. Est-ce que tu sais que la meilleure manière d'adorer l'éternel, c'est de se prosterner le visage contre terre? Il va dire, mais ça c'est chez vous les musulmans. Ah. Merci, je lui dis, Matthieu, merci, 39. Jésus s'est prosterné pour prier. Exode 40, verset 30 à 31. Moïse a pris la punition. C'est écrit noir sur blanc. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Non. La Bible dit que si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser. Si elle ne veut pas se raser, elle n'a qu'à se voiler. Hey. Tu vois les femmes musulmanes voilées, mon frère non musulman? Oui, oui. C'est la Bible qui a dit ça. Non. Esaïe 66, verset 17. Vas-y. La Bible dit, Dieu dit, si tu as mangé pomme, tu vas l'enfer. Le non musulman, mais moi je mange pomme. Oui. Si elle te disait que pomme était dit dans mon courant, tu vas dire c'est courant. Voilà, vous me comprenez maintenant comment l'intérêt est important. Exactement. Parce que beaucoup disent non, est-ce que Rasoul Sallallahu il a péché à la fille? Il a fait ceci. Attendez, frère. Attendez, mon frère. Sa dawa était dirigée contre les non-musulmans aussi et les musulmans. C'est clair. Bien sûr, il appelait les musulmans, les non-musulmans à croire en lui. Quand les non-musulmans venaient faire le débat avec lui, il a dit quoi? Ça prend les débats, ça prend les échanges, ça prend leur avoir transmis le message de l'islam. Il va leur dire maintenant à votre religion, à ma religion. Mais ils ont parlé d'abord. Exactement. Et c'est en cela qu'on vous appelle pour dire la DDR est installée en Guinée, Inch'Allah, à Conakry, à Cancan, même à Sibiri.
Nous sommes dans près de 57 à 58 pays dans le monde pour faire dawa. TDR dit dawa dans la rue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour ce bon développement. J'aimerais, je n'ai rien d'autre à rajouter parce que tout est clair, les dés sont jetés. On va dire le décor, il est planté. Donc rapidement, rapidement, juste une phrase, c'est déjà de prendre conscience avec tout ce qui a été dit et préciser que ce que nous faisons, ce que nous précisons, c'est qu'alhamdoulilah, nous les jeunes musulmans, jeunesse musulmane, j'aimerais insister, c'est de revenir à la sunna du prophète Mohammed et à se concentrer sur le Coran ainsi que sur notre propre vie, à méditer sur l'islam, à aimer l'islam de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, ainsi de se réformer soi-même et d'aller vers les autres pour les appeler à cette belle religion-là. Soyons tolérants, soyons amour, soyons patients, parce que l'islam, c'est la tolérance, l'islam, c'est la paix, l'islam, c'est l'éducation, l'islam, c'est le bien-être, l'islam, c'est la propriété. L'islam n'est pas le terrorisme, l'islam n'est pas la violence, l'islam n'est pas la barbarie. Alors, c'est ce mot-là que j'aimerais rajouter sur ce que Oustaz a dit. Et rappelez aussi que vous devez comprendre que le prophète Mohammed, alayhi salam, a dit, appelez appelez vos parents, appelez vos femmes, appelez vos biens, appelez vos enfants, ainsi que les nôtres. Et puis, proférons exécration, proférons malédiction sur le monde d'autrui. Donc, c'était pour vous, c'est juste pour vous rappeler que les échanges du prophète Mohammed Ali Salatou Assalam les faisaient. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, si vous êtes véridique, apportez ce que vous détenez, apportez les livres que vous avez, apportez. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit dans le verset du Coran. Les gens étaient venus poser des questions au prophète Ali Salatou Assalam. Les chrétiens étaient venus débattre avec le prophète Ali Salatou Assalam et que le prophète a réussi à les démontrer par A plus B l'authenticité de ce qu'il avait reçu comme révélation. On va y revenir, Inch'Allah, mais pour vous dire, c'est une fierté d'être musulman. Soyons fiers de notre religion, soyons en plein pied dans notre religion, ne trichons pas avec notre foi, soyons constants. C'est vrai, ça peut être trébuché, mais n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est accueillant au repenti et il est accueillant au repenti le plus sincère. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'Allah fasse que l'islam soit dans notre cœur ainsi qu'à nos descendances et que qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de nous prendre, de nous retirer de cette terre, que nous soyons des pratiquants uniques et véritables de l'islam authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à tous ses prophètes ainsi qu'au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va passer directement au scanner parce qu'on nous fait signe que le scanner il est important actuellement ce soir vu que c'est le dernier rappel de la DDR ici en Guinée. Alors on va laisser l'impact, on va comprendre et ainsi de suite. On va se dire Inch'Allah à bientôt si Allah le veut. Alors prochain intervenant pour le scanner. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tout le monde d'être arrivé, d'être venu ici pour la podium de la DDR. Et rapidement, on va prendre M. C. Suleiman. M. C. Suleiman. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis là ce soir pour parler un peu fort parce que le micro. Il faut prendre le micro, pour t'attraper, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je voulais poser quelques questions par rapport à un ami qui est dans le quartier. Il y a un chemin pour venir. Mais bon, comme il n'est pas là encore, je voulais vous poser un éclaircissement sur la décision. Il m'est arrivé une fois, je lui ai dit un jour, j'ai vu ces deux là sur sa table. Il dit si tu veux, je te les donne parce que je suis maintenant un mormon. Je me parle de mormon. Il me dit aussi qu'il est chrétien. Je dis maintenant les deux bibles là, entre ces deux bibles, laquelle des deux que je dois croire? Parce que tu veux m'expliquer. Parce que j'ai regardé leur premier chapitre à ce niveau du the Book of Mormon. Leur premier chapitre et au niveau de la Bible là, c'est pas la même chose. Effectivement. Je n'arrive pas à comprendre laquelle de Dieu je dois vraiment tenir compte. Oui, c'était la question. Voilà. Comme il n'est pas là, il va regarder la vidéo peut-être.
Je pense qu'on va attendre un peu qu'il arrive. Ok, ça, il n'y a pas de souci. On va préférer attendre qu'il arrive. Mohamed Molota. Monsieur Mohamed Molota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je suis un musulman et je peux dire que par le passé, j'étais dans, disons, dans une religion d'or, mais je ne connaissais pas quelle était l'importance en quelque sorte. Mais j'ai commencé à suivre les dawa, vos prédications, mais mon histoire de suivre ces dawa remonte au temps de. Le docteur Abdul Mazib, notre père du Rigel, depuis 1999, ses premières vidéos donc, et cela, ça m'a davantage poussé à aimer ma religion, mais aussi surtout à ne pas limiter cet amour de ma religion, mais à aller au-delà de la communauté musulmane, disons, vers les non-musulmans, notamment comme j'ai dit à certains amis qui sont chrétiens. Voilà, donc pour ceux qui vous concernent, vous aussi, je vous suis de près, je vous admire beaucoup, je vous ai beaucoup aimé et je me souviens même, d'un propos du docteur Oustache Lassana Kami, lorsque vous étiez passé voir notre père spirituel à l'Abdul Majid au Mali, oui. Vous aviez dit au rez-de-chaussée, avant d'aller à l'étage, vous aviez dit, c'est un frère vous voir les présidents. Nous aussi, nous verrons voir notre président. Ensuite, un peu plus loin, vous avez dit, ah, je peux maintenant mourir. C'est comme ça. Donc, moi également, c'est le même sentiment qui m'anime, de la vie de vous. Et pour suivre maintenant, j'ai une question, mais permettez-moi avant d'y arriver, je prie Allah, parce que je vois devant moi des habitants du paradis par la grâce de Dieu. Mais mon inquiétude, c'est qu'on ne connaît pas la fin. Donc j'aimerais que nous, tous les musulmans qui sommes là, qu'on essaye, chacun là où il se trouve, même silencieusement, qu'on lise la Fatiha pour une prière à l'égard de nos prédicateurs, des étrangers et de tous leurs groupes. D'abord, je demande ça à toute la communauté musulmane ici présente. Donc, permettez-moi de commencer de prendre le micro. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكبير الله أكبر أمين الله أمين maintenant pour passer à la question je vais vous demander de faire quelque chose vous avez vu ça m'a dit dans Néhémie, chapitre 8, verset 4, vous faites une mise en scène par rapport à la manière d'adorer la table, d'adorer Allah, qui a été enseignée par tous les messagers et les prophètes à partir du Père Adam jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette mise en scène-là, j'espère, si tous nos musulmans qui voient cela et qui repartent la Bible et qui voient exactement ce qui est là, je crois que s'ils ne croient quand même à la, je ne sais pas. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour ce don, merci beaucoup pour cette intention, merci beaucoup pour cette prière parce que c'est vraiment important. Ce que tu viens de dire est très très important. On connaît le début, on voit le milieu, mais la fin, on ne connaît pas la fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous une bonne fin et qu'il nous fasse mourir dans la prosternation et dans sa soumission totale à sa volonté.
Ah, merci beaucoup pour cette doigt. Ça prouve l'amour que vous avez pour la DDR. Merci beaucoup. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer nos voeux, de faire de nous des musulmans sincères et pieux, de nous pardonner nos fautes et de nous donner toujours, et j'insiste, une bonne fin et un séjour agréable dans l'au-delà. Merci beaucoup, mon frère, Inch'Allah, pour la démonstration de 2008. On espère avoir le temps de le faire, Inch'Allah. Comme on est là, on va prendre le prochain terminant déjà. Ok. Celui-là même qu'on va recevoir maintenant, oui, c'est ça, il est pasteur, prophète. Il dit avoir fait beaucoup de miracles ici en Guinée. On n'attend pas ce que tu dis, on n'attend pas ce que tu dis. Je dis celui-là même qu'on va recevoir maintenant, c'est un pasteur, prophète, et il dit avoir fait beaucoup de miracles ici en Guinée, et il va opérer ce miracle ici ce soir. Et de convertir tout ça, il y en a ici à la table. Celui-là même, il s'appelle Evangélique Dac. Evangélique Dac. Merci beaucoup. Est-ce que ce qu'il a dit là c'est vrai? Il dit que vous avez fait beaucoup de miracles à Conakry ici, c'est vrai? Oui, parce que je suis un enfant de Jésus. Ah, et puis, à mon père. Amen. Je fais des miracles comme il fait. Amen. Ouais. Il dit que ce soir, vous avez dit que vous allez moi me convertir au christianisme. Vous allez opérer un miracle ce soir. Exactement. Comme vous êtes là pour convertir les chrétiens à l'islam, je suis là aussi pour convertir un musulman dans le christianisme. Aujourd'hui, ça va se savoir. Ça va se savoir. Alors, homme de Dieu. Nous voilà devant toi. On vous écoute. Quel nous. Je suis beaucoup depuis la Côte d'Ivoire. Pourtant, je suis. Mais mon désir le plus ardent, c'était de vous rencontrer face des juges. Pour essayer de faire sortir ce que j'ai accumulé par la prison. Bon, je ne vais pas être trop long, mais je vais poser quelques petites questions que je n'ai pas compris. Bon, mais bien avant que de continuer dans le débat, je vais vous poser la question. Premièrement, est-ce que vous croyez en la Bible? Si oui, on continue. Sinon, on laisse parce que le problème va se faire. Est-ce que vous croyez en la Bible? Oui. C'est ma question. C'est la question qui est. C'est ma première question. La première question qui va donner lieu à un miracle. L'ouverture. Oui, exactement. L'ouverture du miracle. Exactement. Ok. Vous avez demandé, est-ce que nous on croit à la Bible? Oui, oui. Homme de Dieu, je vous suivez la DDR, ça fait longtemps. Exactement. D'accord. Comme vous suivez la DDR, ça fait longtemps. Vous savez que c'est une question qui a été posée une fois à la DDR. Plusieurs fois. On m'a dit plusieurs fois. Alors, mon cher frère, homme de Dieu, oui, que j'aime bien. Quand on est quitté à Abidjan, on est venu avec des Bibles. Dieu merci. Que le nom de Dieu soit loué, non? Amen. Amen. Venez ici. On va parler de cacher. Voilà. De Dieu. Voilà. Venez voilà. Voilà. À la lumière ici. Voilà. Voilà. Merci. Homme de Dieu. Pardon. On est venu avec 18 Bibles ici. D'accord. Comme vous me demandez, est-ce qu'il croit à la Bible? Oui. J'aimerais savoir laquelle des Bibles à laquelle je dois croire. D'accord. Attends, j'ai pas encore fini, homme de Dieu. Okay. J'ai pas encore fini. J'ai de faire les présentations des Bibles. D'accord. Envoyez-moi chaque Bible, s'il vous plaît. Voici la Bible semeur. Ça, c'est la Bible semeur, homme de Dieu. Ça fait 27 livres. Ok. Ça fait un. Bible voici semeur. La Bible du second 1910. 66 livres. Voilà. Voici la Bible parole de lui. Uh-huh. 66 livres, mais il y a 19 versets qui manquent. C'est-à-dire qu'ici, il y a les versets qui sont coupés, quoi. On ne sait pas où c'est parti. Donc si homme de Dieu nous répond, là on va savoir. Merci beaucoup. Voici la Bible des témoins de Jéhovah. Voilà, ça c'est plein de témoins. Et lui me dit Jésus n'est pas Dieu, mais il y a au moins 30 et quelques versets qui manquent. Ici, il y a 30 versets qui ont disparu aussi. Bon, on ne sait pas où c'est parti. On ne sait pas qui a enlevé par la permission de qui il a fait aussi. Tu vas nous expliquer ça. Top. La Bible top. Ça c'est la tradition œcuménique. 11 livres par là. Top signifie tradition œcuménique biblique. Biblique.
Donc, voilà une Bible. Ici, il y a les chapitres qui sont ici, qui ne sont pas dits ici. En fait, il y a beaucoup de livres ici, il y a beaucoup de chapitres qui ne sont pas dans une seconde. Donc, on se demande pourquoi il y a beaucoup ici, et puis ici, il y a moins. Il faut nous répondre à ça. Voici la Bible en arabe. Voilà, ça, c'est une Bible en arabe. Les chrétiens arabes ont la Bible tout en arabe. Voilà, ici, dans la Bible, Genèse 1, verset 1. On dit au commencement, Allah créa les cieux. Allah créa les cieux de la terre. On se demande qu'est-ce qu'Allah fait dans la Bible. Voilà. Ça nous répond aussi. Voilà. Et ça, on appelle ça le Oumash. Bon, ça, tu n'es pas dedans. C'est pas ton problème, ça. Voici la Bible lui seconde révisée de 2014. Voilà, ça ils ont révisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient une première version, maintenant eux ils ont actualisé, ils ont révisé. Voilà, il a révisé. Verset qui les arrangeait pas, ils ont révisé. Ils ont enlevé, il y en a, ils ont rajouté. Il y a des mots, ils ont mis, il y a des mots qui ne figurent pas ici. Il y a la Bible malienne. C'est tout en bambara. C'est-à-dire que tu as un peu là. Ça c'est voilà. Voilà. C'est Allah qui est dedans encore. Donc pour que vous dites, la quête de cette Bible là, vous le convoyez. Homme de Dieu ici, voilà. Homme de Dieu. Laquelle des Bibles nous allons prendre? Laquelle? Ok, merci beaucoup. Je sais qu'il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Vous savez déjà. Donc je vous dis que je suis un pasteur, vous savez ce qu'est le pasteur pour moi. Il y a Jérusalem aussi. Hein. On a oublié. Il reste une Bible, Jérusalem. Ça, c'est Jérusalem. Pour c'est pourquoi Jésus est né là, en Israël. Après 73 livres. Ça va à 73 livres. Donc on nous dit laquelle on doit choisir et puis on fait le débat. Vous avez affaire avec un pasteur, pas avec un prêtre, pas avec un juif, pas avec un Christ. Moi, en tant que pasteur évangélique, je crois à une Bible qui comporte 66 livres en tant que pasteur évangélique. Ah, d'accord. Donc, si vous avez une Bible qui a 66 livres, oui, d'accord. Vous pouvez faire sortir, nous allons partir. Ah, d'accord. Il y a une Bible qui a 66 livres ici. Donc, attends, pour vous, ça, il a trouvé une Bible qui a 66 livres. Bon, je parle de lui, c'est bon. Tu dis 66 livres, non? 66 livres, non? Exactement. Donc, il y a 66 livres. Voilà. Donc, pasteur, voilà. Comme vous, ça, il a trouvé 66 livres. C'est ce que je veux. Attends, tu veux lui, c'est comme 1900. Exactement. C'est ça qui est la parole de Dieu. C'est ce qui est pour moi la parole de Dieu. Ah, sinon que le reste, ça, c'est pas la parole de Dieu. Bon, je ne sais pas parce que c'est les différentes versions de tradition. C'est vous qui l'avez. Moi, j'ai la Bible avec moi. Ça, c'est vous qui l'avez. Ok. Pas, vous avez... On a lui, c'est comme 66 livres. Merci. Comme les autres, tu rejettes. Très bien. On les met à côté. Merci. Donc, pour toi, regardez bien. Regardez bien. Ici, le pasteur vient de rejeter 18 Bibles au profit d'une seule Bible. Exactement. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui croient ça, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas. D'accord. Oui. Donc, c'est vous seul qui êtes dans la vérité. D'accord. C'est ça. C'est ça. On prend tout vous là. Donc, on a pris 70 secondes. Voilà, maintenant, répondez à ma question. Est-ce que vous croyez en cette Bible ici que vous avez avec? Bon, comme vous avez jeté les autres, comme vous avez refusé les autres, oui. Comme vous avez bafoué les autres, d'accord. Comme vous avez diabolisé les autres, et que vous voulez que nous vous répondions, faire lieu et place à un débat ou bien à un miracle, vous savez que nous, les musulmans, le musulman, sa foi est sur le Coran. Notre foi, c'est sur le Coran. Toi, tu es chrétien, oui. Ta foi, c'est sur quoi? C'est sur la Bible. Voilà. Donc demander à un musulman d'attester, de jurer que par la Bible, c'est faire fausse route. D'accord. Vous voyez, c'est oui. Comme si moi je te demande, je veux que tu prennes serment devant moi. D'accord. Par exemple, à la République, je te demande de prendre serment. Toi tu viens, tu es chrétien, il met le Coran en bas de toi, il dit il faut jurer dessus. Est-ce que tu as demandé de faire quelque chose? Tu n'as rien fait. D'accord. C'est pas ton livre de foi. D'accord. Le livre de foi, c'est la Bible. D'accord. Donc c'est normal qu'il te fasse jurer sur la Bible. D'accord. Donc pour moi, en tant que musulman, moi mon livre de foi, c'est le Coran. Mais pourquoi on utilise la Bible? On utilise la Bible parce que toi, tu crois en ça. D'accord. Donc nous, on ne croit pas. Nous, notre foi n'est pas sur la Bible. Hein. Mais on respecte ça. C'est ton livre de foi. On ne peut pas le bafouer. On ne peut pas le minimiser. On le respecte parce que c'est ton livre de foi. D'accord. Mais on l'utilise pour engager, pour enclencher le débat, pour voir si vraiment l'authenticité se trouve là-bas d'accord. Ou dans le Coran. D'accord. Voilà, donc voilà pour répondre à ta question directement. On ne peut pas nous demander est-ce que vous croyez, parce que la croyance résume de l'attestation de l'unicité, ou même résume de ce qu'il y a dans notre cœur. Or, tu sais très bien que nous, déjà qu'on a derrière les musulmans, on ne peut pas croire la Bible. Mais on l'utilise comme c'est un livre de foi de toi, en tant que chrétien. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Alors, si tel est le cas, je n'aimerais pas que vous utilisiez la Bible pour contredire mes questions. Pourquoi? Vous ne croyez pas. Donc, tout ce que vous savez, c'est
thérapie est fausse. Moi, je ne peux pas les voir. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas. Non, on n'a pas dit c'est faux. Moi, je ne crois pas au courant. Je n'utilise aucun verset de vous. Madame, vous n'êtes pas bien placé. D'utiliser la Bible, ça me répond. Parce que vous n'êtes pas l'utiliser. Vous ne croyez pas. Dans ce cas, oui. Ne nous pose pas des questions sur la Bible, non? Non. Vous défendez votre courant. Vous me contredisez. Comment je défends ma Bible et que c'est ce que j'ai abandonné. C'est ce que j'ai dit. Oui. Si on doit défendre des questions, oui, avec des questions bibliques, qui sait très bien que les questions bibliques ne peuvent pas se répondre dans le Coran. Les questions bibliques se répondent avec la Bible. Si tu veux qu'on parle du Coran, si tu veux qu'on nous envoie des questions sur le Coran, laisse la Bible. Tout le monde est à l'aise. Ou bien tu dis, bon, ne touchez pas le Coran, on est uniquement dans la Bible, il n'y a pas de problème. Pasteur, la nuit où là, où tu nous as trouvé là? Attends, homme de Dieu, oui, où tu nous as trouvé là? Si tu veux, il faut lui dire qu'on n'utilise pas la Bible, on regarde ça dans le Coran. Nous-mêmes, on est trop à l'aise là-bas même. Si tu veux, le point où tu nous mets là, nous, ça va là-bas avec toi. Faut choisir. Maintenant que vous n'avez pas la foi à la Bible, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la Bible? Ce n'est pas une question de foi. Ce n'est pas une question de foi. Je t'explique, pasteur. Je t'explique, pasteur. Imagine-toi un peu, toi, homme de Dieu. Hein? Quand tu arrives dans un village où il y a des démons, où il y a des sorciers, quand tu arrives, et que toi tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène à pouvoir avoir le dessus sur les esprits qui sont là. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et que tu puisses connaître les profondeurs des pratiques qu'ils font. Pour pouvoir avoir le monopole et pour pouvoir avoir le dessus sur eux. Est-ce que le fait de connaître les pratiques veut dire que tu crois en ces pratiques? Non. Voilà. Voilà. Nous aussi là. Nous aussi par exemple. Nous on a lu. On connaît la pratique. Donc on a le Coran qui nous met au-dessus de toutes sortes de pratiques. Voilà pourquoi on t'invite, on te dit, mets-nous au défi dans n'importe quelle pratique. Nous là, on va te déstabiliser avec la vérité. Il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça va souffrir tout à l'heure. Je ne vais pas faire quand vous allez parler dans la Bible. Vous dites qu'on ne croit pas la Bible, c'est pas vrai. On ne peut pas dire ça, là, ça va me faire mal. On ne va jamais dire ça. La Bible. Ouvre la Bible seulement, on ne va jamais dire ça. Vas-y. Il n'y a pas de problème. La Bible va répondre par la Bible. Voilà. Allons-y. Je viens. Je vous ai entendu parler que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je vous ai entendu parler. Ça dit, peu importe le test que vous apportez, je ne vous fais votre temps. Je trouve que vous ne maîtrisez pas la chose. Voilà. La Bible, je viens, la Bible n'est pas un livre quelconque, un livre de littérature comme le Coran. Quand moi je lis souvent le Coran ici, j'ai l'impression de lire des histoires de, comme on disait, il était une fois, il était votre fois. Et on a l'habitude de me dire que le Coran, c'est la parole de Dieu. Que c'est Dieu qui a fait descendre le Coran du ciel. Mais quand même, je prends le premier chapitre du Coran, quand vous lisez, je vais vous dire que vous allez comprendre quelque chose là. D'accord. Sourate 2. Sourate 2. Au verset 1, d'abord l'introduction me dit quoi? Au nom d'Allah, le tout clément, le miséricordieux. Donc vous voyez, ici c'est quelqu'un qui est en train de parler. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui s'adresse. Il dit au nom d'Allah, mais pas là, pas Allah lui-même qui a fait ça. Pourtant, me dit que le Coran, c'est un livre qui est tombé du ciel, que Allah lui-même a envoyé. Maintenant, qui est en train de s'adresser là au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, qui est en train de parler? C'est la question. C'est votre question. C'est la première question. Donc, vous êtes rentré dans le Coran. Vous êtes rentré dans le Coran. Oui, exactement. Même si vous n'y croyez pas. C'est-à-dire que vous qui ne croyez pas au Coran, là, vous rentrez dans le Coran. Parce que vous m'avez dit que vous allez utiliser aussi la Bible. Ok. D'accord. C'est pour vous. Avec plaisir. Alhamdulillah. Au nom d'Allah le clément, le Dieu miséricordieux, le très miséricordieux. Oui. C'est la parole d'Allah qui sort de la bouche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans savent ça. Allah parle à travers l'ange Gabriel qui révèle maintenant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous révèle maintenant. C'est pourquoi beaucoup de sourates tu verras dis-leur. Il est Allah unique. C'est Allah qui lui ordonne de dire. Il est Allah. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qui est Allah. Et tu dis la première sourate, tu n'es pas dit la deuxième sourate. C'est pas la première, sourate. C'est dernier, hein, d'accord. Je ne maîtrise pas le courant parce que. Voilà. Voilà. Je l'ai tout simplement parce que. Pasteur. Je
recevoir des sermons. On va y arriver. Mais sans même que tu as dit, comme nous sommes dans l'interreligieux, ce qu'on vient de dire là, je vais te poser une question, tu ne pourras pas répondre à la Bible. La même question. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Lisez-moi Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Oui. Verset 13 à 14. Oui. Moïse dit à Dieu. Écoutez, s'il vous plaît. Pasteur, vous me suivez? J'irai donc vers les enfants. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Oui. Et je leur dirai. Je leur dirai. Le Dieu de vos pères. De vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Quel est son nom? Quel répondrai-je? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Oui. Moïse dit à Dieu. Qui est en train de raconter cette scène? Oui. Moïse dit à Dieu. Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu. Moïse répondit à Dieu. Qui est en train de dire ça? Qui? Exode chapitre 3, verset 13. Exode chapitre 3, verset 13. Mais Moïse dit à Dieu. Qui est en train de dire? Moïse dit à Dieu. Voilà, la question est finie même déjà. C'est qui dit ça? Qui est cette personne-là? On est dans Exode. Dieu dit à Moïse, vas-y. Moïse dit à Dieu, j'irai vers donc les enfants d'Israël. Si je m'en vais vers les enfants d'Israël, et je les dirai, ils vont me demander. Le Dieu de mon père m'envoie vers vous. Je l'ai dit, c'est le Dieu de mon père qui m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Ici c'est Moïse qui parle. Hein. Quel est répondrai? Qu'est-ce que je dois le dire? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Moïse n'a pas dit, Dieu m'a dit. Maintenant, qui est en train de dire Dieu dit à Moïse? Moïse dit à Dieu. Dieu dit à Moïse, c'est qui? Comment il s'appelle? C'est peut-être un problème de français qui est en train de pratiquer. Mais si je viens, je vais t'expliquer. Explique-moi. D'abord, sachez que ce que vous avez en main est une tradition. C'est une tradition. C'est la tradition qui a lieu aussi. Là, suivez. C'est le plus Moïse qui est en train de parler. Hein? Mais ceux qui ont traduit cette Bible, c'est qui? Je ne peux pas vous dire le nom des séries. Alors, j'ai dit, tu ne peux pas répondre. J'ai dit, où? Alors, moi, je t'ai dit, c'est Mohamed Solassalam qui est en train de parler. Il a dit, Allah dit, c'est Mohamed qui a le Solassalam qui dit. En fait, tu as vu, non? Dans le Coran, quand tu as lu, là, en fait, tu as donné toi-même. Est-ce que nous passons? Vous avez donné vous-même votre propre méthodologie. Et votre méthodologie, vous n'arrivez même pas à respecter votre méthodologie. C'est-à-dire quoi? Vous avez donné votre règle. Vous lisez un verset, vous demandez qui est en train de dire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous, on ne pourrait pas vous dire. C'est Allah lui-même qui dit, mais comme il transmet un message à un ange pour aller transmettre à un homme, l'homme va dire, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, une parole qui sort de sa bouche, mais qui vient de Dieu. On dit maintenant pour vous. Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu. Moïse est en train de converser avec Dieu. Qui était là-bas pour relater la scène là? C'est qui? Comment il s'appelle? Merci. Vous me répondez la même chose que vous n'avez pas répondu. Montrez-moi dans ce verset que j'ai dans le courant tout à l'heure, là où c'est écrit que c'est l'ange Gabriel, même dans le même verset, qui est en train de parler. Allah, le tout miséricordieux. Le Coran répond. Répondez tout à l'heure. Le Coran va répondre. Vous répondez. Soit 50 ans. Non, dans le même verset. Non, mais c'est dans le même. Je ne peux pas répondre le verset. Montrez-moi que c'est l'ange Gabriel qui est en train de parler. C'est ce que j'ai en train de dire, frère. Oui. Écoutez-moi. Vous savez, je vous ai dit, ils ont posé une question pour ne pas répondre. Et là, tu as dit que tu ne connais pas qui est en train de parler. Ça me suffit déjà. Je t'ai dit ceci, dans le Coran, on va nous donner les faits. Voilà, si dans le Coran, je ne trouve pas, où Allah parle à Gabriel qui parle à Mohamed sur la salle, là tu peux te plaindre. Tu dis dans le verset. Mais si je te dis dans la Bible, qui a relaté la. Cette histoire-là, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à Deutéronome. Je dis bien de Genèse jusqu'à Deutéronome. Tu peux me dire qui est en train de relater toutes ces histoires? Alors que dans le Coran, je peux prendre n'importe quelle surah du Coran pour te prouver cela. Tu
ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi il veut maintenant dire. Non, mais dis-le pas. Dans ce verset, dans le Coran, c'est pas comme ça. Le Coran, c'est pas comme Yomi, quoi. Même si c'est dit dans la Bible, n'importe quel passage de la Bible. Dis-moi qui est en train de parler à Moïse, tu ne peux pas trouver. Voilà, maintenant, regarde, on va te lire ça. Qui est en train de parler à Mohamed, on va te dire ça. N'importe quel passage de la Bible. Qui est en train de parler d'exemple, tu ne peux pas. Soit 53, 1 et 8. Écoutez maintenant, homme de Dieu, Soit 51 à partir du verset 1er. Oui. Par l'étoile et son déclin. Oui. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Votre compagnon Mohamed, il ne s'est pas égaré. Il n'a hein. pas été induit en erreur. Et puis encore, il n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de sa passion. Mohamed ne prononce rien sous le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tout ce qu'il dit là, c'est une révélation inspirée. Que lui a enseigné l'ange Gabriel. Prodigieuse. C'est l'ange Gabriel qui lui a enseigné. Ça fait un. Soit 2,97. Comme tu as dit, on regarde, c'est dans la surat 2 là. On est revenu là-bas. Surat 2,97. Surat 2,97. Oui. Dis. Quiconque est ennemi de Gabriel. Regarde ici, la preuve est là. Dis. Qui dit de Dieu? Dieu dit. Dieu ordonne à quelqu'un de dire. Dis. Est-ce que moi-même, je, si c'est moi-même, je parle, je peux dire quoi? Dis. Non, non, non. Dieu dit. Dis-le. Répète. Dis-le. Vas-y. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui. Cette personne doit savoir que c'est lui, Gabriel. Par la permission d'Allah. C'est par la permission d'Allah. A fait descendre sur ton cœur. Cette révélation sur ton cœur qui déclare véridique, frère. Tu vois? Par la permission d'Allah, il a fait descendre cette révélation sur ton cœur qu'il déclare véridique. Voilà, nous on a déjà prouvé pour nous. Je retourne dans Exode. Faut me dire qui parle dans Exode. Qui est là, qui Moïse, ça fait comment? Prends n'importe quel passage de la Bible. Prends n'importe quel passage. Pour me dire qui parle d'Exode. Voilà. Celui qui parle d'Exode. Oui. Vous-même tout à l'heure, vous avez écouté la conversation. Moïse qui parle de Dieu qui parle. Maintenant, ici, ce sont les traducteurs théologiens qui sont en train de traduire. Dans Exode là. Non, écoutez, la Bible a été traduite. Ce que vous avez, c'est les autres. Vous n'êtes pas pour faire comprendre. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris? Ça, c'est traditionnel. Quand Moïse parlait à Dieu, tu n'as pas compris. Quand Moïse parlait à Dieu là, qui était là-bas? Voilà. Tu as compris? Quand Moïse parlait à Dieu là, qui était là-bas? Waouh! Waouh! Quand Moïse parlait à Dieu. Non. Mais écoute, Moïse lui-même dit, tu dis que Moïse parlait à Dieu. Qui était là-bas, pasteur? Il parlait, il était avec lui. Oui, je sais qu'il était avec lui, mais j'ai dit, qui était là-bas, pasteur? Non, c'est Moïse qui a écrit le livre. Écoute. Qui était là pour dire, qui a vu, attends, quand il parlait à Dieu là, c'est vrai, mais qui était là-bas? Il était seul. Très bien. Il était seul avec lui. Attaque lui. Alors, voilà. Comme il est seul là, qui est en train de nous dire qu'il parlait à Dieu maintenant? Moïse dit à Dieu. Puisqu'il était seul. Dieu dit à Moïse. Puisqu'il était seul. C'est une personne anonyme qui est en train de dire ça. Puisque Moïse était seul. Non, alors qui a dit Moïse parla à Dieu? Ne jouez pas les jeux de mots. Ne jouez pas les jeux de mots. Dis-le que la science opérée. Non, c'est le français qui se fatigue. Vous n'êtes pas en train de me comprendre. Moïse a déjà reçu la Torah. Ok. Où Dieu lui a parlé. Maintenant, les hommes qui ont fouillé et qui ont trouvé les parties de ces livres qui doivent rassembler pour faire la Bible, c'est eux qui sont en train d'utiliser un style d'écriture pour expliquer aux gens ce qui s'est passé, la conversation qui s'est passée entre Dieu et Moïse. Ne jouez pas le jeu de pasteur. Donc si on est d'accord, on est d'accord qu'il n'y avait personne là-bas. Et que c'est les gens après, selon vos dits, qui sont en train de relater les dits de Moïse. Maintenant, ces gens qui sont en train de relater les dits de Moïse, qui sont-ils? Ce sont les théologiens. Ils s'appellent comment? Il y a des maisons d'édition de la Bible. Ils s'appellent comment les théologiens qui ont dit Moïse? Je ne veux pas rentrer dans l'historique. Attends. Regarde, 8 secondes. Voici 8 secondes. Lui, c'est moi, les théologiens de l'Église. Regardez. Qui ont fait l'édition là. Pasteur. Vous avez les théologiens. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Que ceux qui ont écrit n'étaient pas présents le jour là. Mais comment ils ont écrit ça? Très bien. Ils ont parlé avec Moïse. Mashallah. Ils n'étaient pas présents. Bien sûr. Ce qui veut dire, comme tu n'es pas présent dans un lieu. Tu peux m'en dire. Mais ce que tu as entendu. En fonction de ce qui est écrit. Non. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un discours direct et indirect? Oui, on connaît le discours direct. Alors, c'est vrai que malgré ces discours-là qui sont là, est-ce que ce sont les éditeurs qui traduisent? Excusez-moi. Pour faire comprendre. Parce que vous ne m'avez pas compris. Quelle est la preuve? Vu que celui qui a écrit là, n'était pas là, il n'a pas vu. Quelle est la preuve maintenant que c'est vrai?
Lisez la conversation, vous allez comprendre. Lisez la conversation. Non, il dit non. Il n'a pas dit la conversation. On dit Moïse dit à Dieu. Il veut savoir qu'est-ce qui prouve maintenant que c'est vrai. À cause de la Torah qui existait, parce qu'il y a une conversation. Quelle Torah? Tu as fait descendre la Torah, le livre est là. Donc quand on lit, on se rend compte que Moïse a une conversation avec Dieu. Le livre est où, pasteur? Le livre était où? C'est ce qui a été rassemblé là. La Torah, la plaque était descendue. C'est qu'est-ce que ça? Regarde, Moïse lui-même a écrit. C'est le temps. Dieu lui parlait. Il a écrit quoi? Il a écrit la Torah. Moïse a écrit la Torah. Bien sûr. Bon, c'est quoi la Torah maintenant? On va voir si vous méritez d'être pasteur. C'est quoi la Torah? Donc, regardez, je ne suis pas là pour que vous me prononciez. Je suis là pour un débat. Ah, suivez. Moïse n'a pas écrit la Torah. Moïse n'a jamais écrit la Torah. Sinon, suivez-moi. Suivez-moi. Non, mais il ne faut pas dire que Moïse a écrit la Torah. Écoutez-moi. Je peux te montrer tout de suite. Avec un verset biblique, il y a des montrer que Moïse n'a pas écrit la Torah. Miracle là, ça a s'opéré. Suivez, vas-y, pasteur. Comme il a pas s'opéré, on va s'en sortir. C'est bien. On n'a même rien commencé. Les versets sont là. On finit avec ça avant la tempête. Dernièrement pas. Le problème ici, c'est quoi? Nous sommes en train de débattre. Ne me poussez pas dans votre esprit. Non, c'est cela qui a commencé. Je réponds, je pose une question. Okay. Et puis vous aussi vous posez des questions. Je veux savoir, est-ce que c'est Moïse qui a écrit la Torah? Il a dit oui. Vous avez dit oui. J'ai dit c'est Moïse qui a écrit la Torah. Alors, est-ce qu'on peut vous donner un verset de la Bible pour voir si c'est lui qui a écrit? Donnez le verset que vous avez. Deutéronome 34, verset 4 à 8. Vous-même vous pouvez lire, s'il vous plaît. Vous-même vous lisez. Deutéronome 34. Non, lisez. Voilà. Et venez pour on a pas, pas, après ça, on va rentrer dans le sujet. Parce que quand il a ouvert la brèche, il a dit, Allah a dit dans ce 22, oh, ce n'est pas le sujet. Il nous a envoyé là-bas, on est là-bas maintenant. Donc, le 34, verset 2 et 6. Comme vous dites que c'est Moïse qui a écrit là, on va voir vraiment si c'est Moïse qui a écrit. Deutéronome 34, verset 2. Vas-y. Deutéronome 34. Et suite, oui. Verset 2 et suite. Oui. Galate jusqu'à Dan. Oui. Tout. Bon, allons verset 4. Ok. Deutéronome 34, le verset 4. Oui. L'Éternel lui dit. L'Éternel dit. C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Oui. À Isaac et à Jacob. Oui. En disant, oui. Je le donnerai à la postérité, à ta postérité. Oui. Je te l'ai fait voir de tes yeux. Continue. Et tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab. Selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Et l'Éternel l'enterra. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de raconter la scène. Tu dis c'est Moïse qui a écrit. Et l'enterra. Comment on peut dire Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Continue. Hein. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Continue. Au pays de Moab. Allons-y. Vis-à-vis de Beth-Poar. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à aujourd'hui. Continue. Moïse était âgé de 120 ans. Moïse était âgé de combien? 120 ans. Lorsqu'il mourut. Moïse était âgé de 120 ans le jour où il est mort. Alors pasteur, que c'est Moïse même qui est en train d'écrire. Pasteur, c'est Moïse qui a écrit la partie là, mais c'est pas lui. Regardez. On regarde. La Torah, je vais expliquer. Explique-nous. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous croyez à la Torah que tu as donné à Moïse. Tout à l'heure, vous l'avez dit. La Torah est différente de l'histoire. Écoutez. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ceux qui sont en train de parler de Moïse sont incarnés par l'Esprit de Dieu. Donc c'est pas il les révèle. Écoutez-moi. Là, c'est pas la Torah que vous lisez. Ça, c'est l'histoire de Moïse. La Torah, c'est l'ensemble des lois suivies que Dieu a donné à Moïse pour, comment je peux dire, la vie du peuple d'Israël. Ah, ce n'est pas la Bible, moi. Exactement. Attendez, Deutéronome, c'est pas la Torah. Et c'est quel passage ça? Dans la Bible, il y a des commandements. Pasteur, Deutéronome là, c'est la Torah, mais c'est pas la Torah. Mais là, c'est pas la Torah pour vous. Voilà. Pour vous, c'est pas la Torah. La Torah, hein? selon même le concept du chrétien. Oui, c'est la loi. C'est la loi. Vous ne connaissez pas le concept. Écoutez. Laissez-moi. Prenez mon micro. D'accord. Écoutez, pasteur. Selon les chrétiens, la Torah, c'est les cinq livres. On appelle ça le Pentateuque. C'est-à-dire les cinq livres de loi qu'a reçu Moïse. D'accord. La Genèse. L'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. C'est ça qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, les lois révélées à Moïse. C'est ça qu'on appelle la Torah. Donc, il veut savoir, est-ce que le Deutéronome est dedans? Si vous ne savez pas, dites-le. Non, mais d'ailleurs, Deutéronome,
c'est dans Deutéronome qu'il y a plus de lois, je peux dire, de commandements par Dieu. Voilà. Mais la Bible, ce qu'il écrit, font des commentaires à, sur Moïse. Quand demain, vous lisez la Bible, vous saurez que. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que cette partie-là, pasteur, on vous a posé une question. Répondez et puis on va passer. Est-ce que cette partie-là, c'est Moïse qui a écrit, oui ou non? Est-ce que vous comprenez? Vous répondez plus en avance. Moïse a écrit les lois. Est-ce que les hommes ont écrit la vie de Moïse? Les hommes, hein? Bien sûr. Donc il y a les paroles des hommes dans la Bible. Exactement. Tout n'est pas de Dieu. Inspiré par le Saint-Esprit. Donc tout n'est pas de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Ah, est-ce que tu veux pas ça? Donc tu peux prouver là. On a compris. Tu dis que c'est un homme. Il n'y a pas de problème. Maintenant. Allons maintenant. Allons dans le but. Tu dis que tu nous as plusieurs fois entendu que nous on dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Allons-y là. Merci. D'ailleurs, avant de rentrer dans Jésus-Christ n'est pas Dieu, d'abord j'ai un problème avec l'islam parce que je dis Nico. L'islam n'est pas de Dieu. Et je peux prouver par A plus B pourquoi l'islam n'est pas de Dieu. Bien sûr. Non, faut, on va pas finir Jésus n'est pas Dieu là. Non. Pourquoi? C'est pas parce qu'il a ouvert le. On vient. Ce sont des questions que j'ai. On vient. Vas-y, il faut poser. On arrive. L'islam n'est pas de Dieu. Pourquoi? Il faut prouver avec les textes à la Bible. Il y a la Bible, il y a le Coran. Bien sûr. Ok. Alors, nous allons lire ce verset. Parce que Dieu est parfait. Non, pas. Verset combien? Dans Genèse chapitre. Pas Genèse. Tu lis le Coran, non? Donc, miracle, ça n'a pas opéré au lit. Non, c'est découragé, hein. Donc, comme on a le temps encore, j'espère que ça va bien. Ok. Mais nous étions là depuis deux semaines, vous étiez où? D'abord. Nous allons lire le livre de Acte chapitre 7, verset 32. Acte 7, verset 32. Acte 7, 32. Je vais penser que tu es parti dans Acte. Acte 7, verset 32. Parce que j'ai trop de choses en main. Laisse-le. Non. Il faut qu'on l'aide. Si vous pouvez l'aider à lire, ça. Non, et tu peux donner, on va dire ici. Acte 7, verset 32. Acte 7, verset 32. Oui. Je suis le Dieu de tes pères, oui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Merci beaucoup. C'est l'Éternel qui parle. Je suis le Dieu de tes pères, premièrement Abraham, premièrement Jacob, deuxièmement Isaac. Donc voici l'Éternel, c'est comment l'Éternel se présente. Même quand Moïse, le serviteur, va se présenter, il va dire que le Dieu de mon père, vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous poser la question. Le Dieu de l'islam, là, c'est quel Dieu? Question. Quel est le nom de ce Dieu-là? Question. Parce que ces questions, ça l'a dit que tu as fait. Je viens d'abord, je n'ai pas fini de poser. Abraham est un musulman. Abraham est un musulman. Vous partez plus loin à dire que même Jésus, Christ, est un musulman. Yeah. Maintenant, dans la lignée de Jésus là, on a premièrement Abraham, on a Jacob, on a Isaac, et jusqu'à continuer dans les Jésus. Tandis que l'islam, je peux dire, est né. La fondation de l'islam, c'est la lignée d'Ismaël qui va plus tard produire, comment je vais dire, l'islam. Ah. Maintenant, quand l'Éternel se présente, écoutez, je viens. Quand l'Éternel se présente, quand l'Éternel se présente, non. Il dit je suis le Dieu de votre père. Premièrement Abraham, premièrement Jacob, deuxièmement Isaac. Mais il n'y a pas le Dieu d'Ismaël dans la Bible. Même le Coran, il n'y a pas le Dieu d'Ismaël. Pourquoi? Son Ayala, c'est quel Dieu? Tu lis même dans le Coran aussi. Faut pas faire ça. Même dans le Coran, il n'y a pas le Dieu d'Ismaël. On va voir si c'est vrai. On va voir. Déjà. Vous préparez le verset qui parle d'Ismaël là. C'est d'abord qu'il y a beaucoup de versets. Bon, d'accord. Attends, et bien, fais ta sauce. Attends, mon cher pasteur. Regardez d'abord. Attends d'abord, pasteur. Je ne veux pas combattre, je vais tourner toute la question en même temps. Je vous laisse. Non, on finit de répondre à ça, puis on part dans le sujet même qui nous rassemble. Cher pasteur, j'aime bien les chants, c'est intéressant. On finit de répondre à la question, et puis on va au sujet qui nous intéresse. D'accord. Déjà, votre question, vous dites que, comme il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc cela veut dire par ricochet que l'islam n'est pas vrai parce qu'on ne dit pas le Dieu d'Ismaël. Non mais c'est ça on a ma Bible ne reconnaît pas ça. Moi je ne crois pas au courant, je vous ai dit au début. Pasteur, on a donc si le courant reconnaît,
Pasteur, patientez. En fait, patientez, écoutez-moi bien. Pasteur, ce que vous avez fait, moi je vous comprends. Ça s'appelle faire preuve de quelque chose qu'on ne sait pas. Vous ne savez pas. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Vous savez pourquoi la Bible dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde, c'est mon micro, c'est pas de ma faute, c'est tout le bruit qui est là. C'est pas de ma faute, les frères. J'écoute. Vous savez pourquoi on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? On dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que les noms qui sont cités là sont les noms des descendants d'Abraham par la postérité de qui? Regardez bien. Écoutez-moi bien. Oui. On dit le Dieu d'Abraham. Abraham a eu qui? Isaac. Oui. D'Isaac est sorti qui? Jacob. Jacob. Et de Jacob est sorti tous les prophètes jusqu'à Jésus. Oui. Donc c'est normal qu'on dise le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que ça concerne la lignée d'Isaac. Très bien. On est d'accord? C'est ça même. C'est ça. C'est la même question. C'est ça même. Voilà. Comme c'est la lignée. Oui, c'était musulman. Pasteur. C'est ça le problème. C'est fils de pasteur qui vous parle. Oui. Donc je sais de quoi je parle. Non, tu n'es pas fils de pasteur. C'est musulman. Je vais te démontrer que où toi tu es là. Moi, j'ai dormi là-bas. Et puis, je me suis réveillé. Il n'y a pas de race. Voilà. Faut te montrer. Quand Dieu dit, oui. je suis le Dieu d'Abraham, oui. D'Isaac et de Jacob, ça fait lignée. Ça, il parle de la lignée d'Isaac. D'accord. On est d'accord? Oui. Voilà pourquoi de la lignée d'Isaac jusqu'à Jésus, les prophètes qui seront mentionnés dans la Bible seront les prophètes envoyés aux enfants d'Israël uniquement. À part Jonas, sur lequel il y a un peu de divergence. D'accord. Tu as vu qu'il maîtrise mon sujet. Maintenant, pourquoi il n'y a pas Ismaël? Je vais te dire maintenant pourquoi il n'y a pas Ismaël. Révèle ça, je vois. Voilà. Merci. Cher pasteur, oui. Est-ce que tu as déjà lu la Genèse 19? Verset 20. Genèse 17, verset 20. Lis pour moi, lis. Je vais lire pour toi, mon cher pasteur. Genèse 17, verset 20. Tu vas comprendre que de la lignée d'Isaac, les prophètes sont mentionnés. Mais comme Dieu savait qu'Abraham avait deux enfants et que les deux enfants d'Abraham sont un symbolisme pour l'humanité, sont un signe par lequel l'humanité doit être remplie. Oui. Dieu a déjà dit quelque chose dans la Bible que toi tu ne savais pas, que moi je vais t'apprendre ce soir. Genèse 17, verset 19. Écoutez-moi bien. Dieu dit, certainement Sarah ta femme. Certainement Sarah ta femme. T'enfantera un fils. Elle va t'enfanter un fils. Et tu l'appelleras. Oui. Du nom d'Isaac. C'est ce qu'il disait. Dieu dit. Le fils que tu vas avoir, il va s'appeler Isaac. Mais j'établirai mon alliance avec lui. Il y a un mot qui vient qui est très intéressant. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Pour sa postérité après lui. Pour sa postérité après lui, pasteur. Quand Dieu dit pour sa postérité après lui, ça veut dire les gens qui vont sortir de lui, là, Dieu va établir son alliance avec eux. Et ceux qui sont sortis d'Isaac, ils ont commencé par Jacob jusqu'à Jésus. D'accord. C'est fini là-bas. D'accord. Mais c'est pas fini. Ah. Dieu ne s'est pas tué. Ah. Il a parlé au verset 20. Révèle. Je vais te révéler ce soir. Au verset 20. À l'égard d'Ismaël. Dieu, le même Dieu qui a parlé pour Isaac là. Il dit à l'égard d'Ismaël. J'étais exaucé. Abraham, moi j'étais exaucé. Voici. Je le bénirai. Stop. Si Dieu dit il va le bénir, c'est qu'il est le Dieu de qui? D'Ismaël. Aujourd'hui, tu vas recevoir. Je sais que la foule est là pour vous. Aujourd'hui, tu vas recevoir la révélation. Je le bénirai. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Si le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne se trompe pas, moi je sais que si Dieu parle, il doit accomplir ce qu'il dit. Il dit il ne dira pas une chose tant que sa main ne l'est accompli. Et donc, je le multiplierai à l'infini. La lecture. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. J'étais exaucé. Toi, Abraham, j'étais exaucé. Voici. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Je vais le multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes. Dieu a dit qu'il va engendrer 12 princes. Quand vous lisez Genèse 21, vous allez voir que les 12 princes là sont déjà nés. Dieu a déjà montré que les 12 princes sont venus. Donc c'est que Dieu a dit, c'est accompli. Mais il y a une chose que Dieu m'a dit par la fin. Vas-y. Et je ferai de lui une grande nation. On dit dangereux, c'est là il y a problème. Dieu dit, je ferai d'Ismaël une grande nation. Pasteur, venez un peu ici comme ça. Je veux bien sortir. Écoutez-moi bien ma question. Je veux bien.
si Dieu dit qu'il fera d'Ismaël une grande nation, c'est une chose qui doit s'accomplir, oui ou non? Qu'est-ce que... Très bien. Alors ma question que je vous pose, allez-y. Quand est-ce que cette prophétie... Caméra, allez-y. On ne pose pas une question dans une question qui n'a pas répondu. Je suis clair. Je suis clair. Donc ça, c'est ce que vous avez lu. Allez-y comme ça. Mais wow. Je vais te répondre à ma question. Dieu se présente, il dit, je suis le Dieu de vos pères, Abraham. Je vais te montrer le verset biblique. Là où Dieu se présente comme le Dieu d'Ismaël. Là où tu es dit, ça n'existe pas. Attendez, tout c'est là-bas, je suis. Tout ce qu'on a dit, est-ce que vous comprenez? Je veux savoir, dans la Bible, pasteur, dans la Bible, qui a mis Ismaël au monde? Qui a envoyé Ismaël dans le monde d'Agar? Bon. Non, je vous répondez là-bas. Dans la Bible, qui a envoyé Ismaël dans le monde d'Agar? Qui a envoyé l'ange de l'éternel? Qui a envoyé l'ange de l'éternel? On n'a pas envoyé l'ange, c'est ça. Dis-moi. Ismaël est un enfant de très obéissant. S'il vous plaît, la question qu'on vous pose, pourquoi vous ne répondez pas aux questions pour qu'on puisse gagner temps? Ce n'est pas oui ou non. Non, ce n'est pas une question de oui ou non. Est-ce que selon la Bible, Dieu n'a pas envoyé l'ange pour aller dire à Agar qu'elle va concevoir un enfant? Si vous dites non, il donne le verset. Regardez. Réponds d'abord. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais si vous avez la preuve, lisez, c'est plus simple. Non, est-ce que vous faites semblant de ne pas savoir ça dans la Bible ou quoi? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit à l'ange qui dit à Agar? L'ange de l'Éternel dit, Agar, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voici, tu es enceinte, tu vas concevoir un enfant et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Ah, vous avez vu le faux? Je vous répète. Attendez, frère. Avant que Dieu ne parle, je veux savoir, est-ce que Dieu a-t-il envoyé l'ange? Non. Il n'a pas envoyé l'ange? Non. Lisez. Non, lisez. De Satan. Je vais te donner la preuve. Doucement. Donne-moi la preuve. Très bien. Tu as dit c'est Satan, non? Oui. Maintenant, moi, je vais demander à la Bible si c'est Satan ou bien c'est Dieu. Dieu. Si c'est Dieu. Et que quand tu dis c'est Satan, c'est qu'il t'a prévenu ton Dieu de Satan. Allez-y. Je le sais à partir de verset 9. Vas-y. L'ange de l'Éternel lui dit, oui, retourne vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi sous sa main. Verset 10. Vas-y. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de qui? L'ange de l'Éternel lui dit. Ils n'ont pas dit l'ange de Satan, hein. On dit l'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. Vas-y. Je multiplierai ta postérité. Oui. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Stop. C'est l'ange qui multiplie ou bien c'est Dieu qui multiplie? C'est Dieu qui multiplie. Je l'ai attrapé. S'il vous plaît. Vous savez, quand tu es dans un forum comme la nôtre là, oui. C'est un débat de haut niveau. Et puis c'est un débat d'honnêteté. Je vous suis. Non, je veux vous calmer un peu. Et je vous répète encore, c'est un débat d'honnêteté. C'est-à-dire que quand c'est écrit là, on a dit. Là, je dis, je vais multiplier ta postérité, c'est si nombreuse là-haut. Est-ce que c'est l'ange qui multiplie? Ciao, attends. Vas-y. Il a dit c'est Satan. Pardon, prie-moi pour Genèse 21 là-bas, rapidement. Genèse 21 à partir de verset 19. Ismaël est déjà né. Écoutez-moi bien. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Agar maintenant allait avec Ismaël dans le désert. Regardez ce qui se passe. Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Et elle vit un puits d'eau. Elle va voir un puits d'eau. Elle a rempli d'eau lourde. Elle va remplir d'eau lourde. Et donna à boire à l'enfant. Elle va donner maintenant à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Qui?
Dieu fut avec l'enfant. Non, Satan. Dieu fut avec l'enfant. Non, démon. Dieu fut avec l'enfant. Non, Satan. Dieu fut avec l'enfant. Non, Lucifer. Oui, Dieu fut avec l'enfant. La Bible dit, Dieu fut avec l'enfant. Vas-y. Qui grandit. Qui grandit. Habitant dans le désert. Habitant dans le désert. Et devint directeur. C'est-à-dire que Dieu lui-même a éduqué Ismaël dans la vie. Dieu a envoyé son ange pour annoncer que Agar va tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. On dit, Dieu fut avec l'enfant. Toi tu dis c'est Satan. Moi je te laisse entre toi et la Bible. Mais c'est bien, mon problème. C'est pas fini. Vous n'avez pas répondu. Regardez. Vous savez, c'est le monde qui est en train de nous suivre. Ne fais pas des erreurs ici. Il est écrit dans Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qui bâtit, il bâtit en vain. Si ce n'est pas Dieu qui ordonne à quelqu'un, qu'il soit enceinte, à son prophète de mettre enceinte fils. Et que le prophète le fait. Qui l'a fait? Si ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Là, je viens. Et puis ce que tu as fait de lire, c'est une erreur. L'ange n'a pas dit que Agar va tomber enceinte. C'est quand Agar est tombé enceinte que l'ange a dit Agar est enceinte. Lisez. Lisez. Tu as fait là. Non, lisez. Réponds. Oui, mais elle était enceinte. Tu as fait là. Elle était enceinte. Attends, il dit. Elle était enceinte. Comment une femme fait pour tomber enceinte? Par sa propre volonté ou par la volonté de Dieu? Comment une femme pouvait pour tomber enceinte par sa propre volonté ou bien par le pouvoir de Dieu? Une seule question. Le diable met les choses. Je vais poser une seule question. Oui, je réponds. Est-ce que une femme qui tombe enceinte, c'est par sa propre volonté ou bien c'est par la volonté de Dieu? Ça dépend. Une femme peut tomber enceinte par la volonté du diable. On n'a pas compris ça. Est-ce que la volonté a créé le diable? Qui a créé Agar, le diable. La grosse était Agar n'est pas le diable. Pourquoi vous ne répondez pas aux questions? Il y a une femme. Oui. Une femme tombe-t-elle enceinte par sa propre volonté ou par la volonté de Dieu qui l'a créée? Mais attends, est-ce que tu ne peux pas répondre aux questions? Si vous ne pouvez pas répondre aux questions, est-ce que ça vous êtes pasteur? Est-ce que vous êtes guide d'une église? Et vous êtes incapable de répondre à une question? Je suis capable. Vous répond? Je suis capable. Qui fait mourir les hommes? C'est le Dieu. Comment la femme met enfant au monde? C'est pas par la volonté de Dieu? Comment une femme peut tomber enceinte? Par la volonté de Dieu, bien par son. Par sa propre volonté, frère. Soyez honnête, et vous n'êtes pas dans une salle de théâtre. Nous, on pense que c'est la plaisanterie. Arrêtez, je prie pour les femmes, suivez. Je prie pour les femmes pour que Dieu les donne à vous. Pour que Dieu le donne. Mais je crois aussi que Satan met les femmes enceintes. Donc Satan ne peut pas mettre les femmes enceintes ici. Ah. Bon, écoutez, pasteur, c'est pas intéressant. Pasteur, soyez honnête, c'est pas là, c'est pas ça. Écoutez, vous niez que Satan met les femmes enceintes. Non, écoutez, nous on dit. Il n'y a aucun pouvoir qui dépasse celui de Dieu. Ça n'existe pas. Comment les choses? C'est-à-dire que même quand le démon fait quelque chose, là, c'est par la permission de Dieu. Donc il n'y a pas quelque chose qui dépasse. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse le pouvoir de Dieu. Si chez vous ça s'est fait, il n'y a pas de souci. Moi, attendez, doucement, pasteur. Moi j'ai dit ici là, ce que je vous ai dit, c'est que vous-même vous avez reconnu. Je vous ai donné des versets. Oui. Genèse 19, verset 20. Genèse 19, verset, Genèse 21. Où c'est Dieu même Dieu a béni Ismaël. D'accord. Attends. Un enfant de sa femme, Dieu le bénit. Dieu l'a béni. Dieu dit, je te bénirai, je le multiplierai et je ferai de lui une grande nation. Je t'ai demandé une seule question. Si ce que Dieu dit là, il ne ment pas, ça s'accomplit. Ma question c'est celle-ci. Vu que tu dis que Ismaël là, c'est Satan. Je dis d'accord. Okay. C'est l'enfant du diable. Okay. Maintenant Dieu a dit, je le bénirai. On est d'accord? D'accord. Quand Dieu le bénit, il est toujours l'enfant du diable ou pas? Je viens. Je viens. Dieu est miséricordieux. Quand Dieu le bénit, là, il est enfant du diable ou bien il n'est pas enfant du diable? Dieu peut faire de nous son enfant, bien qu'il appartienne au diable. J'ai dit, je le viens. Quand Dieu dit je le bénirai, je le rendrai fécond, voici j'étais exaucé là. L'enfant à qui Dieu est en train de dire, celui qui Dieu est en train de dire ça, il est l'enfant de qui? Si on ne se comprend pas, cette partie-là on laisse, parce qu'il sait que vous n'êtes pas sorti. Alors, depuis le verset. C'est moi de laisser. Non, alors, depuis le verset. La promesse de Dieu et l'alliance de Dieu, c'était pour Sarah. Dieu n'a pas promis Agar. Mais c'est quand Agar est tombée enceinte par la désobéissance d'Abraham que Dieu, par la compassion, quand voyait l'enfant pleurer, Dieu s'est approché de l'enfant. Il dit, voici un pays là-bas. Isaac a été promis à qui? Isaac a été promis à qui? Isaac a été promis à Sarah. Ismaël a été promis à qui? Il n'y a pas la promesse d'Ismaël dans la Bible. Je vous remercie. Genèse chapitre 22. Faites lisez ça. Suivez bien, suivez. Non, pas de mon père, avec les pieds, c'est ça, prenons.
démontre, c'est toi qui démontre rien. Toi qui dis c'est faux seulement. Non, non, c'est faux, je vais démontrer aussi. Voilà. C'est nous on démontre jusqu'à présent, c'est nous on démontre. Voilà. C'est à toi de démontrer que ce qu'on dit n'est pas vrai. Nous on démontre, toi qui dis simplement c'est pas vrai. C'est ça le ça la, la nuance. Nous on t'a démontré par A plus B que l'enfant, que Dieu, l'enfant de Agdaga. Et puis d'ailleurs, tu as dit une chose grave. Tu dis ce que Dieu n'a pas voulu. C'est-à-dire que Agar, pardon, Ismaël n'est pas le fruit. C'est vrai, Ismaël n'est pas l'enfant que Dieu voulait. C'est une volonté permissive de Dieu. Dieu a permis. Parce d'accord. Dieu a mis de est-ce que tu sais que Jésus est descendant de, aussi de la volonté permissive de Dieu? C'est pas vrai. Tu connais pas où? Prouvez. On finit ça là d'abord. Et puis il a démontré que même les arrière-parents de Jésus là, eux aussi là, ils sont enfants de Jésus. Même est descendant d'une enfant de d'une femme que Jacob n'aimait pas. L'alliance, c'est les abdomen. L'alliance. Moi, je te dis que la femme que. La femme de qui? L'ancêtre, l'arrière-arrière, grande mère de Jésus-là. Jacob ne l'aimait pas. Mais l'alliance, elle les a fait avec Isaac. Donc, Jésus a dit la postérité d'Isaac. C'est quoi l'appel alliance? C'est la volonté parfaite. Alliance, c'est quoi? L'alliance. Oui. C'est le. À l'alliance de Dieu. À l'alliance de Dieu? Oui. D'ailleurs, Ismaël n'a pas écouté à l'alliance de Dieu. Toi, tu dis seulement. Tu es lis le livre de Genèse. Écoutez, pasteur, écoutez. Vous êtes beaucoup agité. Vous dites, tu dis non seulement. Regarde, je vais te montrer une première alliance que Ismaël a écoutée. Regardez, regardez. Et puis tu sais que tu. Attends, il va lire le attends, je vais finir. Est-ce que. En quoi consistait la première alliance que Dieu a tissée avec Abraham? Il dit hier, aujourd'hui, je vais tester votre pastorat. À quoi consistait la première alliance que Dieu a tissée avec Abraham? Là, regardez. Je ne suis pas là pour. Tu connais ou bien tu connais pas? D'abord, mes fidèles croient que je suis pasteur. Et pourquoi pas? C'est parce que je suis pasteur. Pasteur. Donc, tu n'as à quoi consistait la première alliance que Dieu a tissée avec Abraham? Venez ici, on voit. Prouvez-moi maintenant que vous êtes pasteur. À quoi consistait la première alliance que Dieu a tissée avec Abraham? Regardez. Lis ton verset, ne sois pas. Il veut te cacher, il n'a qu'à lire le verset de Genèse. Je vais lui demander. Prouve-moi que tu es pasteur ce soir. Je te pose la question. C'est parce que je suis pasteur que je suis là. Voilà, maintenant prouve-moi que tu es authentique. Je n'ai pas à te prouver. À quoi consistait c'est une tentation. D'accord. C'est une tentation. Opère ton miracle. C'est le diable qui dit prouve-moi. Non, c'est vrai. Mais tu es venu pour faire le miracle. Tu es venu pour faire le miracle. C'est le diable qui dit prouve-moi. Pasteur. Comme le diable a essayé Jésus. Moi, je sais que je suis le diable. Toi, tu es Jésus, non? Maintenant, faut me dominer. Vu que je suis le diable va gagner Jésus, non? Jésus, je te pose la question. À quoi consistait la première alliance que Dieu a tissée avec Abraham? Et Jésus a dit, à rien de consentant. Mais oui, alors là, tu peux me dire à rien. Mais si c'est à rien, il a un contact. Si tu dis à rien, mais il dit, aujourd'hui, je suis là. On est face à face. Jésus et puis Satan. J'ai dit, à quoi consistait l'alliance d'Abraham que Dieu a tissée avec lui? La première alliance, c'était quoi? Regarde. Est-ce que ça fait partie de l'objet de débat? Non, je peux lui répondre. Je peux lui répondre. Tu connais pas. Non. Si le peuple est là pour toi, il est venu, je m'en vais. Non, faut pas partir. Le peuple n'est pas là pour toi. Bien sûr, mais. Affirmement. Mais je ne pas écouter, tu joues par l'autre, tu verras les supporters. C'est les supporters. Faut rester. Faut répondre ici. Faut répondre à ma question. À quoi consistait la première alliance que Dieu a tissée avec Abraham? On va voir si Ismaël a goûté à l'alliance ou pas. Mais attends. Tu as dit Abraham, je rendrai ta postérité d'un contre les étoiles du ciel et la poussière. Voici les paroles de la première alliance avec Abraham. Faux. Alors dis-moi. Voilà. Dis-moi. Venez maintenant. Venez au. Voilà, arrêtez-vous et puis écoutez maintenant Satan vous enseigner. La première alliance. Tu n'as pas m'enseigné. Jésus attend. Tu n'es pas chrétien, tu n'as pas m'enseigné. Mais tu ne connais pas. Non, pas que je connais pas. Ça, c'est une question de chrétien. Il dit hier. Pasteur, calmez-vous. On va voir entre vous deux qui mérite de prier pour les fidèles. Calmez-vous. J'ai dit la première alliance que Dieu a tissée avec Abraham s'appelle la circoncision. Il se rappelle. Il se rappelle. Doucement. Il est fini. La première alliance que Dieu a tissée avec Abraham, ça s'appelle l'alliance de la circoncision. Le fait de couper le prépuce. Dieu dit à Abraham, tout nouveau-né va se faire circoncis. Tout mâle dans ta maison doit se faire circoncis à 8 jours. Donc la première alliance que Abraham a tissée avec Dieu, c'était la. Attends, faut pas parler. C'était la circoncision.
Donc Dieu va demander à Abraham, un, de se faire circoncis et de circoncis tout mâle dans sa maison. Et tous les garçons dans la maison d'Abraham vont se faire circoncis. Y compris qui? Ismaël. Donc la première alliance que Dieu avait tissée là, c'est la circoncision. Et cette alliance-là demeure jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs frappent pour qui cette alliance-là. Et cette alliance-là s'est perpétuée même jusqu'à Jésus. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit au huitième jour, auquel l'enfant est né là, on le fit circoncis et on lui donna le nom de Jésus. Donc la première alliance, c'était la circoncision. Ça, tu ne savais pas. Et dans cette circoncision-là, Ismaël avait 13 ans et puis il s'est fait circoncis. Donc il a pris goût à l'alliance premièrement. Isaac n'était pas encore né. Tu vois, non? Ça, tu ne savais pas. Maintenant, regarde. Ne te fais pas voir ou bien je sais enseigner. Ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Répondez. Donc, ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou c'est faux? L'alliance avec Ismaël. Je vais le voir dans la Bible. Montrez noir sur blanc l'alliance avec Ismaël. La circoncision là, de te montrer. De te montrer. Est-ce qu'il y a le nom d'Ismaël dans la Bible où tu as dit je fais mon alliance avec toi? Il n'y a pas le Dieu. C'est une question de. Mettons, parce que tu fais exprès. Mais tu n'as rien à dire, tu fais exprès. Dieu dit, j'avais tissé mon alliance avec toi, Abraham. Abraham demande, c'est quelle alliance? Il dit, tous les garçons de chez toi doivent être circoncis, y compris toi-même. Si on circoncis Ismaël, est-ce qu'il a pris part à l'alliance? Il a pris part. Bon, comme vous l'avez dit, c'est de lire la Bible. Tu connais pas, moi, tu connais pas, tu dis. Je vais lire. Je vais laisser. En fait, c'est pas mieux, on m'a dit dans Jésus est Dieu là. Oui, il a ouvri par ça, mais il a fui par, rapidement. Hein. Non, je viens. Voilà, il faut le tenir rapidement. Je t'attends là-bas. Si tu as pu te montrer que Jésus est Dieu aujourd'hui là, tous les musulmans de la Guinée, on va se baptiser. Et je t'attends avec impatience même. Parce qu'il a touché tête et puis il est sorti là-bas. Donc, finis avec Ismaël et puis il revient rapidement. Je ne réponds même qu'à Ismaël. Voilà. Maintenant, les gars, on va lire le livre de Genèse 21. Il faut lire et puis moi je là. Tu as refusé de lire là, 21 là. Je ne fais comprendre. Tu s'amuses avec les petits chrétiens, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Poli. Mais il ne faut pas faire le jeu de français avec Poli. Genèse 21. Nous allons commencer par le verset 1. C'est lui-même qui dit, hein, faut prendre ça, attrape sa vie, toi tu es à côté de lui pour attraper. C'est lui-même qui a dit. On rappelle que c'est la compétence de la DDR, Inch'Allah. Voilà, le débat se passe en esprit et en vérité, comme on le dit. Voilà, ce sont les échanges fraternels, comme vous le voyez. Voilà, et beaucoup de personnes ne sont pas habituées, mais sachez que ce n'est ni la bagarre, voilà, ni quoi que ce soit. C'est vrai que c'est comme si c'était un match. Hein. Voilà, il faut que la vérité se sache. Il est un peu chaud, c'est normal, c'est leur, c'est comme ça ils sont. Mais ah, malgré tout, voilà, il va se calmer tout de suite. On garde le tempérament aussi, hein, c'est pas dans. On aimerait vous dire aussi que c'est pas forcément dans la brutalité que les choses se passent. Si voilà. Tu n'as pas la carrure, tu pouvais changer, fatalement tu laisses tomber. Pasteur, on vous écoute. Genèse 21. Bon, si tu ne trouves pas. Non, regarde. Il va trouver, il va trouver. Regarde, tu as trouvé. Ne vous pressez pas. Okay? Genèse 21, le verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a compris pour Sarah ce qu'il avait promis à Sarah. Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac. Mais la suite est rien. Au fils qu'il avait, qu'il était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac à cette occasion qu'on lui a fait. Montrez-moi la circoncision d'Ismaël ici. Montrez-moi. Tu es désorienté, mon frère. Non, pas désorienté. Je veux dire quoi? Maintenant, je viens. Je ne pas où pas là, je viens. C'est bon. Là, qu'est-ce que je vais expliquer? Suivez. Tu as lu Genèse 21. On ne voulait pas les Genèse chapitre 14 et 15. Vous ne voulez pas vous asseoir. Pasteur, tu as lu Genèse 21. On dit 8 jours après que qui est né? Isaac. Moi, j'ai dit que ça a commencé avant Isaac. Donc, maintenant, attends. Pasteur. La promesse de Dieu est bien pour toi. Pasteur, maintenant, il y a une chose que tu n'as jamais entendue. Oui. Est-ce que tu sais que Ismaël, là, c'est l'enfant de Sarah? Ismaël, l'enfant de Sarah. Oui. C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Alors, dis. Est-ce que toi tu crois? Je ne crois pas.
Ah, tu crois pas la Bible? Je crois pas. Tu crois pas? C'est l'enfant de la servante de Sarah. Attends. Il a demandé que c'est l'enfant de Sarah. C'est l'enfant de Sarah est dans la Bible. Voilà, on va te montrer la situation d'Ismaël d'abord dans la Bible et puis te donner maintenant et puis te récupérer maintenant. T'as vu, tu es pasteur, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Allons-y. Genèse 17 à partir de verset 24. Écoute, allons-y. Abraham était âgé de 99 ans. Dit, oui, la Bible dit Abraham était âgé de 99 ans. Vas-y. Lorsqu'il fut circoncis, continue. Ismaël, Ismaël, son fils, oui, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Voilà, c'est bon. T'as vu, non? Ça l'avait. Maintenant, allons maintenant dans. Genèse chapitre 16, verset 1 et suite. Genèse 16, 1. Je vais te montrer maintenant que Sarah, il va te montrer que Ismaël, là, c'est l'enfant de Sarah. Allez, c'est. Voilà, tu savais pas où. Genèse chapitre 16. Je ne crois pas. Ah, tu crois pas. Mais avant, il y a un livre. Si tu crois ou tu crois pas. Allez, si tu crois pas, tu deviens incrédule face à la Bible. Non, pas incrédule. Genèse chapitre 16, verset 1 à 3. Vas-y. Oui. Que la révélation. Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai. Sarah. Femme d'Abraham. Femme d'Abraham. Ne lui avait point donné d'enfant. Elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Elle avait une servante égyptienne. Elle avait une servante égyptienne. Nommée Agar. Nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, écoutez bien les paroles, voici, doucement frère, Sarah dit à Abraham, voici, vas-y, l'Éternel m'a rendu stérile, Dieu, l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie, écoute-moi, écoute, pasteur, tout le monde a qu'à écouter, viens je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants, peut-être aurai-je, ça veut dire quoi? Peut-être aurais-je elle. Attends. Ma question vient. Je suis d'accord. Oui, c'est un problème. T'es d'accord maintenant. T'es d'accord. Si. Ah, mais t'as pas dit que c'est bon. T'es pas d'accord. Je suis d'accord. Alors, t'as qui? Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord de ce que vous ne comprenez pas français. Allez-y. Réponds à l'étude, s'il te plaît. Peut-être que aurais-je. Écoutez bien. C'est que Sarah dit. Sarah dit quoi? Et Sarah dit à Abraham. Sarah dit à Abraham. Dis. Voici. L'Éternel m'a rendu stérile. L'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Donc c'est-à-dire, l'enfant que la servante va avoir, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant. Je dis c'est l'enfant de qui? On dit c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Merci pour la question. L'enfant est. On n'a pas dit ça. Il est dit, l'enfant qui est la servante courant là, c'est l'enfant de qui? Tout de suite, même chez les fils spirituels. On n'a pas dit ça. On dit, Sarah dit, l'enfant que Abraham va avoir par la servante, ça sera l'enfant de qui? Elle a dit que. Selon la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est comme le français est clair. Sarah dit. À sa servante, fais-moi un enfant. Fais-moi. Laissez-moi être direct avec vous. Fais-moi un enfant. Ça veut dire quoi? Même c'est les deux qui est tombé à 5. Non, l'enfant sera pour qui? Fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant, ça veut dire quoi? Ça, c'est tout. Ça veut dire quoi? Arrête la définition de Jésus. Ah, tu finis. Il n'a pas répondu, hein. Attends. Tu n'as pas fait l'alliance avec Ismaël. Il ne veut pas de ça, pasteur. Il ne veut pas de ça. Pasteur, il y a les enfants qui vous écoutent. Fais-moi un enfant, ça veut dire quoi? Pardon, je le donne pardon. Fais-moi un enfant. Alors, ça veut dire quoi? Sarah, là, c'est un nom. Pour coucher avec Agar pour que l'enfant vienne. C'est pas la question. C'est pas clair. Quand elle dit fais-moi un enfant, ça veut dire quoi? Vous comprenez, vous refusez. Mais pas pour expliquer. Fais-moi un enfant veut dire quoi? Sarah voulait un enfant. Oui. Elle voulait un enfant. Elle voulait un enfant. Est-ce que la servante a fait l'enfant? Elle a fait l'enfant. L'enfant, c'est pour qui? Elle a fait l'enfant. Pour qui? Et c'était dans le but de pour qui? Pour donner à qui? C'est le cycle Sarah, tu pousses Sarah. Allô. Oh. Oh. Ça dit que vous avez comme ma peau. Est-ce qu'il y a Alléluia ici? Alléluia. Alléluia, c'est Alléluia. Qui est tombé à sec? Répondez ma question. Non, c'est bon. Qui est tombé à sec? Vous voyez ça? Alors maintenant, ça va dans la divinité de Jésus. C'est lui quoi maintenant? Voilà, c'est bon. Alors dans la divinité. Réglez son micro, s'il vous plaît. Pasteur, tu es choc, comme tout là, c'est bien. Bon, là-bas, vous n'avez pas. Merci, vous les gens. Attends, il va dire un mot. Le modérateur va dire un mot. Ok. On va dans Jésus. On va dans Jésus et Dieu maintenant. Allez. Mais il y a encore sur la liste. Changez le pile là.
Parce que t'as vu qu'elle t'a béni délivré là. C'est chaud, hein. Apparemment, c'est toi-même qui es délivré. Apparemment, tu la bois de l'eau. C'est que ça va passer. Je suis d'accord. Il dit, ouais, c'est bien ça. C'est bien. Attendez-le d'abord. Ah, tu bois plus. On n'a pas encore touché le point. Maintenant, on est sur le point maintenant. On est sur le point. Parce que je vais vous dire une chose, frère. Vas-y, vous savez que quand on fait les échanges, c'est des poissons fraternels, ça fait un. Mais c'est des poissons honnêtes aussi. Vraiment, des poissons honnêtes. La voiture, on te demande pardon. Si c'est écrit là, il ne faut pas dire que c'est l'esprit d'être. Maintenant, la première question que tu avais dit que tu nous entends dire que nous dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Je vais vous poser une seule question. D'accord. Pour vous, qui est Jésus, hein? Est-il Dieu ou fils de Dieu ou un prophète? Maintenant, ce n'est pas à vous de poser la question, c'est moi qui commence. D'accord. Allez. Je vous en prie. Restez patient. Vous parlez de mon honnêteté, le monsieur ci me connaît très bien. Oui, et vous connaissez très bien. On a débattu ensemble plusieurs fois, deux reprises. Donc on va savoir ça aujourd'hui. Voilà. Allons-y. Ma question, je viens soutenir que Jésus-Christ est Dieu, pas le verset biblique. Donc je vais lire tout à l'heure. Allons-y. Pardon, le débat se prépare, mes frères. Ça se prépare. Donc on va aller dans Esaïe, chapitre 42, verset 8. Esaïe 42, 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. D'accord. Oui, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Oui, ce n'est pas fini. Alors, je ne donnerai pas ma gloire. Bien sûr. Okay. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Aux idoles ou à n'importe qui. D'accord, dans ma version, à n'importe qui. Ok? Très bien. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Qui n'est pas Jésus. Qui n'est pas Jésus. Merci. L'Éternel qui parle, je viens. Ça va se lever tout à l'heure. C'est bien gâté, même bien. Non, ça n'a pas gâté. Ça n'a pas gâté. Allons-y, on t'écoute. On t'écoute. Non, ce n'est pas gâté. Non, c'est pas gâté. Tu vois, mais je n'ai pas qu'un pasteur. Tu as créé des apolémies comme ça. Non, rien. Les gars, laissez-le parler. Aussi, laissez-le parler. Allons-y, frère. Ce n'est pas gâté parce que Dieu utilise la forme et l'hierarchie de Dieu. Effectivement. Qui est la Trinité de Dieu? Ouais. Il y a Dieu l'Éternel, il y a Dieu Jésus, comme il y a Dieu le Saint-Esprit. Donc, quand il dit l'Éternel, en ce moment-là, n'est pas Jésus, vous devez comprendre ce que je dis. On a compris, mais... J'ai démontré tout à l'heure. Maintenant, je prends un autre verset. Donc je vais prouver le temps là tout à l'heure. Merci Seigneur. La bagata se révolue. Merci Seigneur. Je viens. Papa, j'ai l'espoir. Aujourd'hui, là. Ah, bah, allez, là. Luc 5, 20. Il faut lire pour moi. Non, ils vont lire rapidement ici. Okay. Vous donnez le verset et puis ils vont lire ici. Luc chapitre 5, le verset 20. Luc 5, le verset 20. Oui, dis-y. Luc 5, à partir du verset 20. Yes. Voyons leur foi. Oui. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Luc chapitre 7, le verset 48. Luc 7, 48. Luc 7, 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Nous allons lire le dernier verset qui sera Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. Allez par toute la création. Je viens. Voilà, commencez par le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. À mon nom. Ils chasseront les démons. À mon nom, parole de gouvernement. Ce n'est pas la seule version où Jésus-Christ ordonne à ses disciples, comme je suis l'un de ses disciples, d'aller prier en son nom. Pas au nom de Dieu. Mais au nom de Jésus-Christ. Or, Dieu a dit qu'il est l'éternel Dieu et il ne partage pas sa gloire avec les pauvres. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'un homme ait le pouvoir de pardonner le péché de quelqu'un?
Est-ce qu'il est possible qu'on prie au nom d'un homme? Parce que notre, aucun autre prophète n'a ordonné à ses disciples de prier au nom de lui-même. Même pas moi-même. Il n'a pas ordonné parce que il n'a pas la sérénité. Je reviens. Je reviens. Ok, reviens. Il dit encore, dans le livre de Jean 14, Jean chapitre 6, le verset 14, il dit là, je suis au chemin. C'est Jean 14, 6, pas 6, 14. Jean 14, 6. Wow. Excusez. Je suis le chemin. Oui, je suis concentré, ça arrive. Allons-y. Je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez quelle assurance Jésus parle. Est-ce que si Jésus n'était pas Dieu, il pouvait parler avec de telle assurance comme aucun autre prophète n'a jamais parlé avec l'assurance? Ma question, premièrement. D'accord. Merci bien aimé. Merci. Ça veut démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Selon la Bible, aucun pasteur sur la terre ne peut le faire. Aucun pasteur sur la terre. Je peux. Tu peux? Comme il peut, regardez, je ne veux pas si tu peux vraiment. Finis d'abord. Je veux savoir, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Tu réponds et puis je continue quoi? Selon la Bible. Qui a envoyé? Selon la Bible. Non, je lui réponds. Tu réponds, et puis je continue. Non, je lui réponds. Selon la Bible. Hein? Comme le Saint-Esprit m'a envoyé. C'est bon. Comme le Saint-Esprit m'a envoyé. Oui. Dieu a envoyé Jésus. Ah. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ. Oui. Bon. Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé Jacob, Jean-Baptiste, Ibrahim, tous les autres prophètes. Une seconde. Voilà. Nous savons très bien que l'envoyé n'est pas plus grand que son maître, celui qui l'a envoyé. Selon la Bible. Oui. La Bible déclare que Dieu a envoyé Jésus. Et puis lui dit d'accord. Je lui dis d'abord que Dieu l'a envoyé. Je suis d'accord. Pleinement. Maintenant, qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? Dieu, il est le commencement, il est la fin. Dieu a envoyé Jésus, non? Personne n'a reçu le ciel. Dieu a envoyé Jésus. Bien sûr. Donc Jésus il est Dieu, non? Je suis un Dieu. Maintenant Dieu là, qui l'a envoyé? Merci, je réponds. Dieu s'est envoyé. Voilà. Donnez un verset dans la Bible. Je donne le verset. Si Dieu s'est envoyé, lui, mais faut donner le verset. Je donne le verset. Hein? Non, c'est que, ça ne vous va pas. Au commencement, j'ai dit, est-ce que vous croyez la Bible? Plus aujourd'hui, la Bible n'est pas comme un simple livre. C'est un livre de l'esprit. Je reviens. Ouais. Donc Dieu s'est envoyé lui-même. Je viens. Frère, pasteur, vous n'avez pas compris sa question. Écoutez, regardez ici. Sauf que, pasteur, oui. Il dit, il vous demande, regardez-moi s'il vous plaît. Il vous demande, est-ce que Jésus s'est envoyé lui-même? Dieu s'est envoyé lui-même. Donc non, Jésus s'est envoyé lui-même. Jésus est venu de lui-même, c'est ça? Est-ce que vous comprenez? On te pose question. Est-ce que Jésus est venu de lui-même? Non, mais comment vous posez une question en même temps? C'est une question. Il demande, est-ce que Jésus. Vous avez demandé qui envoyait Dieu? Maintenant, vous dites que vous êtes montré par la Bible. Je viens. Attendez. Pasteur. Oui. Il demande d'abord, est-ce que Jésus est venu de lui-même? Réponds à la question. Si Dieu s'est envoyé de là, vous montrez le verset. Pasteur. Alors, ce que tu trouveras pas aussi. Vous montrez tout ça. Vous montrez tout. Maintenant, je vais lire. Lise. Je suis toujours dans le livre du même champ, mon père Esaïe. Allons-y. Esaïe. Du même champ. Jean combien? Vous qui ne comprenez pas le langage de Jésus. Jean chapitre combien? Jésus le dit. Jean combien? Jean chapitre 14, le verset 9. Jésus le dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Alors. Comment dit-il? Montre-nous le Père. C'est la même question que vous me posez tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Non, je viens. Est-ce que Dieu s'est envoyé ou il ne s'est pas envoyé? Exactement, parce qu'il est incarné à Jésus. Est-ce que Dieu. Donc Dieu ne s'est pas envoyé. Ne
C'est Dieu qui s'est envoyé. Vous avez écrit où? Dans le canal de Jésus. Quel canal de Jésus? C'est la réponse. Hey, parce que Jésus dit, c'est lui qui m'a vu. Bon, attends, je vais on va laisser. Je vais maintenant répondre. Non, tu ne peux pas me laisser faire le verset. Non, tu as fini le verset. Je t'avais demandé une chose. La suite. Je viens. D'accord, je vais rapidement aller. Vous allez voir. Il dit, ne croyais-tu pas que je suis dans le Père? Et le Père est en moi. Le Père est en moi. Les œuvres que je fais. Voilà, les œuvres que je fais. Je ne les fais pas de moi-même. Je ne fais pas de moi-même. Mais le Père qui demeure à moi. Mais le Père qui demeure à moi. Celui qui fait les œuvres. Celui qui fait les œuvres à moi. Mais tu dis quoi? Merci. Hey, frère. Maintenant, c'est là que je trouve que. Va maintenant, Dieu lui-même s'est envoyé. Tu n'as pas écrit que Dieu s'est envoyé. Maintenant, je t'explique. Laisse-moi parler. Jean chapitre 17, 3. La vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 7, 28. Écoutez. Jean 7, à partir du verset 28. Écoutez, s'il vous plaît. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria. Et il s'écria. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Et vous savez qui je suis. Mais le pasteur il ne sait pas où. Mais vous savez qui je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Non, pasteur a dit tu es venu de toi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais qui t'a envoyé? Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Moi je le connais. Moi je le connais. Car je viens de lui. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui s'est envoyé. Donc quand tu as vu la Bible, on doit croire à qui? À la Bible. Je continue pour dire ceci. La maman de Marie, la maman de Jésus, c'est Marie. Alors que tu sais que Dieu n'a pas de mère. Alors que tant que tu diras que Jésus est Dieu, il faut accepter que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que tu es d'accord que Marie est la mère de Dieu? Nous sommes dans le verset là d'abord. Je suis en train de poser la question pour continuer. Nous sommes dans le verset d'abord. Parce que nous n'avons pas marié. Pasteur. Tu n'as pas compris le verset, tu veux sauter la décision. Tu as dit, tu n'as pas entendu. Laisse-moi expliquer. Attendez, comme tu veux expliquer là, moi je te pose une question sur le verset. Réaliser le verset, s'il vous plaît. Sur le verset. On doit pas évoluer, tu vas. Tu as cette vertu à réaliser. Jean 7, 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Stop. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Oui. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Il n'est pas venu de lui-même. Bien sûr. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, il n'a pas dit que tu es venu de lui-même. Maintenant, je vous explique. Attendez d'abord. Tu dis que Dieu est venu de lui-même, non? Bien sûr. Dieu est venu de lui-même. Exactement. Maintenant, Jésus lui dit quoi? Réponds pour Jésus. Je ne suis pas venu de moi-même, là-bas dit. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Est-ce que Dieu est venu de lui-même? Est-ce que Dieu est venu de lui-même? Oui, tu vas pas à l'église, moi. C'est simple. Est-ce que Dieu est venu de lui-même? Mais il est venu de lui-même. Jésus, dis-moi. Je ne suis pas venu de moi-même. Laissez-moi intervenir. Vous êtes malin. Vous voulez sauter le phénomène. Vous n'avez pas me pousser à dire ce que vous pensez. Maintenant, c'est votre interprétation. Ça va être interprétation. Attends, c'est même pas poser la question. Parce qu'on vous pose une question sur ce qui est écrit. Vous dites que Jésus est. Vous dites que Dieu est venu de lui-même. Alors dis-moi, explique qu'est-ce que ça veut dire. Je vous non, attendez pas. Ce n'est pas une question de révélation. C'est une question de compréhension. Est-ce que Dieu est venu de lui-même selon vous? Maintenant, je vous explique comment je. Répondez d'abord. Est-ce que Dieu est venu de lui-même? Je dis oui. Dieu est venu de lui-même. Bien sûr. Jésus est Dieu, non? Oui. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu de moi-même. Ah, pour toi là, et puis pour Jésus. Enfin, pour qui? Bon, maintenant. Enfin, pour qui? Je ne suis pas venu de moi-même. Oui. Puis Pilate me laisse expliquer. Ils sont malins. On est là pour. Attendez. On va vous laisser expliquer. Pour moi là, c'est la même chose qui se fait. C'est ce que j'ai dit là, c'est ça. Toi tu dis quoi? C'est la même chose. Tu dis quoi? J'ai dit que tu es incarné dans Jésus. Non, c'est pas dit. J'ai pas demandé ça. Dieu m'a envoyé. Je commençais par vous dire, ici là, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? J'étais pas demandé. Donc quand Dieu dit, quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, Dieu est incarné en lui, Dieu nous conduit. Attends. C'est pourquoi il dit les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, mais mon Père qui est en moi. Excusez-moi. Dieu est en Jésus. Vous dites que Dieu est incarné en Jésus. Bien sûr. Doucement, parce que nous ne crions pas. Avant, je comprends. Les fidèles, j'espère que vous entendez tous. Dieu est incarné en Jésus. Oui. On est d'accord. Mais on ne peut pas les dissocier. C'est-à-dire qu'il est dans le corps de Jésus. Ça, non. On ne peut pas les séparer. Ils sont ensemble. Ils sont un. Yeah.
même parce que Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Non, c'est pas. Il est en toi. Il est dans le corps de Jésus, mais il n'est pas dans le corps de Jésus. Il est dans le corps de Jésus, mais il n'est pas dedans. Il est en même temps dans le corps de Jésus, en même temps au ciel. D'accord, c'est pas grave. Il est dans le corps de Jésus et puis au ciel. Parce qu'il est omniprésent. Donc, mais quand il est dans le corps de Jésus, là, il est toujours Dieu, non? Toujours Dieu. Maintenant, quand il était dans le ventre de Marie, là. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, là. Oui. Est-ce que Dieu était toujours incarné en lui? Bien sûr. Donc, Marie est dans cette vie. Marie était enceinte. De Dieu révélé. Vous ne pouvez pas. Master, moi je suis censé la Bible. Masse pour rien, là, ça veut dire quoi? C'est que j'ai dit masse pour rien, là, ça veut dire quoi? Ça, tu ne peux pas comprendre ça, le langage du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi maintenant? C'est la langue des gens. Quand l'entend parle, là, c'est que c'est pour comprendre, non? Donc masse pour rien. Merci, je vous explique là. Allons-y, je vais vous expliquer. Marie était enceinte de Dieu. De Dieu révélé. Marie était enceinte de Dieu. C'est la parole de Dieu qui devrait être prêchée pour sauver les gens. Parce que l'ange envoyait la parole et Marie s'est sentie enceinte quand la parole a été déclarée sur Marie. Et automatiquement, quand elle a fait, imaginez, quel est le prophète qui est né de cette façon? Qui est né de cette façon? De la façon Jésus est né? De la façon Jésus est né. Il y a plus grand que lui. Non, dis-moi, c'est lui. Il dit, il y a plus grand que lui. J'ai dit la manière, la même manière. J'ai dit, Jésus est né sans papa, non? Il a une maman. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est ça. Ce n'est pas ça. Attends, il n'a pas de maman. L'ange parlait plus, Marie est enceinte. Mais l'ange en parlait plus, Agar est enceinte. Et Jésus a commencé à être adoré par Élisabeth. Où? Oh my God. Oh my God. Quand Élisabeth a salué Marie, je dis quoi? Mon enfant tressaillit dans le ciel. Exactement. Alors, tressaillit, ça veut dire adoré. Il dit, oh mon Seigneur. Mon Seigneur, ça veut dire quoi? Dieu. Abraham est appelé Seigneur Dieu, ça ne veut pas un pasteur. C'est vrai, oui, parce que. Alors. Parce que. Alors. En réalité, les seigneurs sont adorés. Les seigneurs sont seigneurs. Est-ce qu'Abraham est Seigneur Dieu? Non. Écoutez. Est-ce que Esau est Seigneur Dieu? Non. Un jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Arrêtez. Écoutez. Vous ne pouvez pas. Mais les seigneurs sont adorés. On nous fait signe qu'il y a un deuxième frère qui venait dans qui on cherchait là. Voilà. Donc, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Pasteur. Du moment où tu dis que. Marie est enceinte de Dieu là. Nous on a fini. Pour nous on a fini. Ah non, pour nous on a fini. Donc tu as gagné. Voilà. Il vient pas. Donc, il vient pas. Hein. Donc tu as raison. Tu as raison. Frère. Alors tu as gagné. Oh, tu dis Marie enceinte de Dieu. Je l'ai révélé. Tu as gagné. Écoutez, non, allons doucement. Il n'est pas dans ça. Non, on est dans un tempérament. Écoute-moi. Tu as dit Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Regarde ce que ta fille va te dire. Psaume 22:9. Une prophétie sur Jésus. Écoutez. Psaume 22:9. Oui. Oui. Tu m'as fait sortir du sein de maternel. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma maman. Continue, continue. Oui, tu m'as fait sortir. Tu m'as fait sortir. Du sein maternel. Du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma maman. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma maman. De le sein maternel. Depuis le sein maternel. J'ai été sous ta garde. J'étais sous ta garde, bon Dieu. Dès le ventre de ma mère. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. Depuis que je suis dans le ventre de ma maman. Tu as été mon Dieu. Frère. Maintenant, regardez. Maintenant, vous savez. Je n'ai pas parlé de parler, finis, regardez. Je parle de qui ici? Oui, mais les seuls cris. Non, je parle de qui? Qui dit dans le monde de ma maman? Non, qui parle ici? Non, moi, je ne suis pas en train de parler. Je pose d'ailleurs comme ce problème. Quel verset j'ai lu? On vous dit que s'il parle ici, c'est bonheur. Est-ce que vous avez écouté le verset? Non, je ne suis pas d'ailleurs pas. Psaume 22 à partir du verset 9.
Psaume 22:9, il dit que c'est une prophétie sur Jésus-Christ. Voici la preuve, vas-y frère. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Il s'adresse à Dieu. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. M'a mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel. Dès le sein maternel. J'ai été sous ta garde. Moi, j'ai été sous toi, ta garde. Dès le ventre de ma mère. Depuis que je suis par le ventre de mon maman. Tu as été mon Dieu. Tu as été mon Dieu. J'ai pas fini. Je ne vais pas finir. Frère. Tu dis Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Ouais. Jésus dit Dieu était son Dieu depuis que lui est dans le ventre de Marie. Entre toi et puis Jésus, on croit en qui? Maintenant dis-moi, là où c'est écrit que c'est ceci qui parle. Psaume 22, verset 1. Attends, verset 1. Disons le verset 1. Psaume 22, verset 1. Je ne veux pas prophétie. Mon Dieu. Oui. Mon Dieu. Oui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a prononcé cette phrase dans la Bible? Maintenant écoute. Je t'ai posé une question. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est sorti de la porte de qui dans la maison? Jésus l'a aussi prononcé, mais Jésus l'a aussi prononcé. C'est qui va? C'est prophétie sur aller, Jésus. Pasteur, si tu es pasteur, normalement, tu aller vérifier les 22. Est-ce que nous sommes 22 là? Est-ce que ça parle de Jésus? Amenez-le aussi. Regardez, on doit saluer les imams. D'ailleurs, on va prendre une présentation d'abord. Merci. Comme on est un peu pris par le temps rapidement. Oh, il a parlé d'honnêteté. Il n'a jamais accepté ça. On pose question à gauche, il va à droite. Bon, c'est merci, merci pour votre participation. Vous allez patienter déjà. On va prendre quelqu'un. Voilà, asseyez-vous d'abord. Prends le voilà, micro. Le un peu. Prends le micro, le micro. Voilà, il va prendre, il va se reposer un peu. Fais ton programme maintenant. Ton programme. Oui, on va. On présente. Oui, rapidement, très rapidement. Présent. Alhamdulillah. Nous remercions les frères qui ont fait le déplacement ici ce soir. On a la visite de notre frère pasteur qui est là. On a bien échangé, tout s'est passé dans la fraternité. Depuis 2 semaines que nous sommes ici, nous sommes venus dans le cadre de l'échange fraternel, de la propagation de l'islam, de l'enseignement et de la sensibilisation aux gens à l'authentique religion qu'est l'islam. Alors nous ne sommes pas venus ici de nous-mêmes. Voilà, c'est les gens qui nous ont envoyés ici, qui ont voulu qu'on soit là. Si aujourd'hui on est là et que vous avez assisté à cet échange, c'est parce que des gens ont bataillé des nuits. Et des jours, ils n'ont pas dormi. Ils ont organisé ceci pour que nous soyons présents. Alors nous, on voulait vous présenter ces gens-là. Parce que quand nous, on va partir, c'est eux qui vont continuer cette dawa-là derrière nous ici. Et vous devez comprendre que ce groupe que nous allons vous présenter, c'est le groupe DDR officiel de Conakry. Alors tous ceux qui veulent adhérer à ce groupe-là, tous ceux qui veulent faire ce qu'on fait, qui veulent prêcher aussi comme nous, alors on va vous présenter le groupe et puis on va vous donner le numéro de ce groupe-là. Et puis vous allez adhérer. Tous ceux qui sont jeunes, qui savent lire, qui comprennent, qui ont mémorisé le Coran, qui veulent apprendre encore la Bible, etc. Vous allez adhérer à ce groupe-là pour faire la dawa ensemble. Alors ce groupe-là est notre représentant ici. Quand on dit DDR, c'est eux qui sont ici à Conakry. On va vous les présenter, Inch'Allah. Le président, il est avec moi, il s'appelle Kamara Suleiman. Salut le président. Atakbi! Voilà, Soumatakbi! Allahu Akbar, c'est grâce au président ainsi qu'aux membres que je vais citer tout à l'heure, que nous sommes là aujourd'hui. On a été bien accueillis, on a été bien logés, la sécurité, c'est tout est propre grâce au président et à ses membres. On va présenter le deuxième membre, le vice-président chargé de la Dawa, qui s'appelle M. Mamadou Ouri Jean Diallo. Alors comme on dit, il est un peu malade, donc on va faire beaucoup de doigts pour lui, parce qu'il a beaucoup contribué, mais il n'est pas là à cause de sa maladie. Au deuxième vice-président chargé de l'organisation. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est bien structuré. Il y a tout ici, chargé de l'organisation. Il s'appelle Shérif So. Monsieur Shérif So, rapidement, vous pouvez venir vous présenter, Inch'Allah. Vous venez ici, s'il vous plaît. Voilà. Arrêtez-vous ici, Monsieur Shérif So. Lui, c'est le chargé de l'organisation. Tout ce qui est comme chaise, toute organisation que vous avez vue ici, là. De toute façon, c'est bien disposé, tout ça, là. C'est l'effort de ce monsieur-là. Prions Allah qu'Allah lui récompense. Takbi! Allah. La quatrième personne qu'on va appeler, c'est Monsieur Sako Issa. Monsieur Sako Issa est demandé rapidement. Ensuite, Monsieur Mohamed Mami Bereté. Monsieur Sako Issa aussi fait partie de l'organisation. C'est lui qui a œuvré de tout son poids, de tous ses contacts pour que nous soyons présents ici. Qu'Allah lui récompense en dernier tour final. Il y a Monsieur Sekou Kamara. Monsieur Sekou Kamara, chargé à l'information. C'est lui qui est présent. Il y a Monsieur Oustaz Aboubaka. Soumaïla, c'est ça non? Ordinateur junior, le prédicateur principal. Lui, c'est le prédicateur junior. Ordinateur junior. Ordinateur junior, tout à plutôt.
on vous le présente ici publiquement. C'est lui qui représente les prédicateurs de la DDR ici à Conakry. Non. C'est notre ordinateur junior qui est là. Il n'y a pas plus éloquent que lui ici. Sinon, on parle, c'est parce qu'on sait qu'il est derrière. Donc, on demande à toute la population de Guinée, à toute la population de Conakry, lorsque vous voyez ce monsieur-là, vous allez le voir dans le carrefour en train de faire la dawa. Tous ceux qui sont musulmans, qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », quand vous allez voir ce monsieur dans le carrefour en train de prêcher, venez lui porter assistance. Venez auprès de lui. Aidez-le. Aidez les membres à pouvoir propager le message de l'islam. Non. C'est lui, notre représentant dans les prêches. C'est-à-dire, celui qui m'a vu a vu le père. Sinon, on n'est pas là, là. C'est lui qui est là. Est-ce que vous avez compris? Non. C'est-à-dire que sinon, on n'est pas là, là. L'homme, si qui Guinée peut compter, Conakry peut compter, là. Dès que c'est chaud, on peut appeler là. C'est lui. C'est le prédicateur de ce groupe, la DDR Conakry. Voilà. Ensuite, il y a Camara Ousmane aussi qui fait partie du groupe, s'il est présent. Ousmane Camara. Ousmane Camara, s'il est présent. On a aussi Oustaz Aboubakar. Mandacité. Mandacité, ça. Donc, il reste un dernier qui est Mamadou Djoundeba. Est-ce qu'il est présent? Ah oui. Et lui aussi, il fait partie d'un prédicateur aussi. C'est un attaquant de pointe. Voilà. C'est le deuxième attaquant de pointe de la DDR Conakry. Tu as besoin d'un verset du Coran ou bien d'un verset de la Bible. Vous les appelez les deux. Inch'Allah, vous allez les voir souvent dans les carrefours. Allez-y, les porter assistance. Même sur les réseaux sociaux aussi. Même sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, YouTube. Quand tu arrives sur TikTok, vous allez le voir. Il est beaucoup opérationnel sur TikTok. Voilà. Voilà, il fait la dawa sur TikTok. Quand on donne la bonne compréhension. Amina. Et vous savez, un groupe ne peut évoluer. Un groupe ne peut évoluer sans guide spirituel. Un groupe sérieux ne peut évoluer sans guide spirituel. C'est clair. Sans un imam à la tête de ce groupe-là. Sans un homme qui brille par son autorité spirituelle. Alors nous avons notre imam, Yachek, notre imam de la DDR. Faliata Patal Mashkoura. On sait qu'il y a notre imam qui est là. Donc même si on se trompe en arabe, il peut nous aider. Lorsqu'on parlait de fiqh, lorsqu'on parlait de l'authenticité du Coran, lorsqu'on veut rentrer dans le moudjou, le roudjou, c'est lui qui est là. Voilà. C'est notre grand imam qui est là. C'est lui qui prie pour nous chaque jour. Et puis on se porte bien. Vraiment, imam, merci beaucoup. On vous dit de prier. Imam Zayn. L'imam Zayn, merci beaucoup pour tout. Atakbi. Merci beaucoup pour notre imam qui fait l'honneur d'être présent. Merci. Donc, on va appeler M. So Mamadou Ali aussi, qui fait partie du groupe. Voilà, un motivé. Vous voyez, depuis il a arrêté. Depuis 20 ans, il est là, il a arrêté. Hein, vous. Allons-y, frère. Après, on a M. Bangali Kone aussi. Bangali Kone, s'il est présent. Ça va, il est dans le public, il est en train de travailler, Inch'Allah. Après, M. Bangali Kone, on a Mme Alama Diané. C'est elle qui a vraiment œuvré de tout son poids aussi. Non. De tous ses contacts. Elle est là, elle est du côté des femmes. Sachez que la DDR, il y a les côtés femmes aussi. Il y a les hommes et il y a les femmes. Donc si il y a les femmes qui veulent adhérer aussi, vous pouvez adhérer au groupe. Le groupe sera créé, WhatsApp, etc. pour pouvoir échanger. Cette dame a œuvré de tout son poids. Depuis notre arrivée. Depuis notre arrivée jusqu'à ce qu'aujourd'hui on soit là. On a bien mangé. Même bien piedement, elle nous a habillé. Même à piedement, même elle n'a pas servi. Elle nous a tout vêtu. Merci beaucoup. Right. Qu'elle a vous récompense. Qu'elle a de récompense, ma soeur. Merci beaucoup, maman. À monsieur Djaouné également. Il y a monsieur Lassine Bamba aussi qui fait partie du chargé de la sécurité. Si aujourd'hui on est serré, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était là qui a assuré notre sécurité avec son groupe. Allons-y. Il y a M. Lassine Camara qui est tout juste derrière la caméra que vous voyez tout à l'heure là, qui va se voir là, qui vient. M. Lassine Camara. Allons-y. Il y a M. Abdoulaye Diallo aussi qui fait partie du groupe. Voilà, lui aussi, c'est quelqu'un qui est beaucoup motivé, qui aime beaucoup la dawa, qui fait partie du groupe. Il ne parle pas beaucoup, mais il travaille fort. Il travaille fort dans l'ombre. Allons-y. Il y a M. Youssouf Oumar, qui est en train de faire les affaires. Allons-y. Il y a M. Ibrahim Sori Soma. Est-ce qu'il est là? M. Ibrahim Sori, il n'est pas présent. Il y a M. Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré est présent. Allons-y, rapidement, M. Camara Kaba. Amara Kaba, voilà. Lui aussi fait partie des prédicateurs aussi de la DDR. Il est non. Inch'Allah, c'est un académicien de la DDR Guinée. Bismillah. Il y a M. Mohamed Lamine Camara. M. Mohamed Lamine Camara aussi qui fait partie du groupe. Allons-y. Souleymane Neuf Camara aussi qui est là, qui fait partie du groupe. Il y a M. Ibrahima Fofana aussi qui fait partie du groupe.
Il y a M. Touré Oumar. Il y a M. Keïta à la Touré Oumar. Où est Touré Oumar? Voilà. M. Touré Oumar, vous l'avez constaté, vous voyez ce visage-là. Depuis la cérémonie a commencé et tous les rappels, vous les voyez toujours. C'est l'un des motivés aussi du groupe. Ils font partie du groupe. On ne les voit pas trop. Ils travaillent dans l'ombre. Mais si les gens parlent, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui œuvrent de tous les efforts pour que nous on soit là. Allons-y. Il y a M. Téné Oriba. Téli Oriba. Voilà. Excusez-moi de la prononciation. Il y a Afa Saliou Diané. Est-ce qu'il est présent? Voilà Diallo. Voilà. Lui, il s'est fait un chauffeur pour nous. Il était notre chauffeur. Oui. Quand on est parti à Gangan Sigiri, voilà, c'est lui qui était avec nous. C'est pas sa profession, Wallahi. Il s'est transformé en chauffeur. Vous voyez tout ça pour l'amour d'Allah. Allah fait ça pour que Allah le bénisse. Car il donne Diana to Fritaus. Ainsi qu'à tout le monde aussi. Amin. Il y a Bilal Sal DDR. Voilà, ils sont à Koya. Voilà, Inch'Allah, on va arriver là-bas l'année prochaine. Il y a M. Noor Kaba aussi. Qui est, voilà, lui qui a organisé tout. Voilà, c'est ce monsieur-là. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karavou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a M. Mohamed Touré DDR de Debreka. Debreka, voilà. Inch'Allah, excusez-moi pour la prononciation. Donc, voici, on ne peut pas présenter tout le monde à la fois, mais les membres présents, ce sont eux-là qui ont œuvré. Alors, on demande à tout le monde de faire vraiment des doigts pour eux. De faire des doigts pour eux, car là, nous donnons tous de notre présence. Et que demain, même si on n'est plus là, c'est eux qui vont tenir, c'est eux qui seront là pour faire pour remonter le flambeau de l'islam aux yeux de tous, pour faire connaître l'islam à ceux qui ne savent pas, pour conscientiser la jeunesse musulmane à adopter le bon comportement, à retenir la sunna du prophète Mohammed. Allez, salatou salam. Il vient de me signaler que ouais, tout à l'heure, les prédicateurs disent que, Inch'Allah, ils vont se concerter, mais ils vont choisir ici comme lieu de prédication par semaine. Donc, chaque vendredi. Donc, voilà, à quelle heure vous allez à voir 16h à 18h. Donc, 16h chaque vendredi ici, au rond-point d'Amdala, et vous allez venir nombreux, la DDR est là. Je voulais profiter également pour dire nous avons un frère qui est quitté en Guinée équatoriale. Il est dans le public ici. Mais le problème, c'est quoi? Certes, il est guinéen, mais depuis la Côte d'Ivoire, il y a la femme de son grand frère, je crois, qui a accouché des jumeaux. Et par amour pour la DDR, les deux enfants, un s'appelle Ousad Diané, l'autre c'est Ismaël Agra. Allah Akbar. Il est là, s'il est là, s'il peut se présenter. Il est parti. Allah Akbar, d'accord. Donc voici un peu par la grâce d'Allah, qu'Allah donne la santé aux Amen. Enfants et à nous tous, Inch'Allah. Amen. Ousad, vous nous avez présenté, c'est vrai. Mais Alhamdoulilah, il faut que nous remercions aussi ceux qui nous ont facilité le travail. À la grâce d'Allah. Donc, nous allons remercier d'abord son Excellence le ministre secrétaire général des affaires religieuses. Oui. Sans lui, sans son autorisation, oui. Lui et son adjoint, on n'aurait pas à être là aujourd'hui. On le remercie. Le grand imam de la mosquée Faisal Elhaj, Mamadou Salou Kamara, non. Il devait être là, oui. Mais il était en voyage. On devrait aller le saluer, mais donc vous êtes descendu, lui aussi, il a pris l'avion, il est parti. Oui. Oubliez la santé, Inch'Allah. Nous remercions tous nos chèques. Imam et Ulema de Guinée qui nous ont aidés, non. Notamment Imam Silla de la mosquée Kibéa, etc. Non. La grande famille Diané de Conakry et Cancan, la grande oui. famille Diané, ils nous ont beaucoup aidés. Oui. Et on a notre maman, Madame Dabo qui est en France, Madame Fatoumata Fofana, elle est en France. Ses soeurs, les membres de son association, l'avenir de nos enfants, oui. Tante Maria Massire et tous les autres membres. Le frère Ba, Mamadou Ba de la France, Ousad Diané, ce frère-là, oui. Je veux parler un peu. Alors, lui, tous les équipements qu'on a dans la DDR, Allah. Qui nous permet de faire la dawa, c'est lui qui nous a envoyé à partir de la France. Allahu Akbar. Et chaque vendredi, ce frère nous envoie, il nous envoie quelque chose pour nous permettre de faire la dawa. Non. Donc, ce frère, il est à remercier. On a un autre frère qui est aux États-Unis, il s'appelle Moussa Kourma. Voilà, il est aux États-Unis. Oui. Et on a le président de l'association des ressortissants de Oulada, M. Mohamed Diané, il est là présent. Merci beaucoup, M. Mohamed Diané. Merci beaucoup merci pour tout beaucoup, ce que vous avez fait pour la DDR. Mmh. Voilà, on a le cheikh Moufti Kaba. Oui, oui, oui. Vraiment le cheikh Moufti Kaba. On a été chez lui. On a remercié. Voir les enfants. Voilà, on a été chez lui. Vraiment, ça a été un événement. Voilà, on a Mme Barry Kadiatou de Londres. Nam. On a la grande famille Abdou.
qui est à Koléa. Non. On a l'ONG Famille Musulmane de Guinée, ils sont présents ici. On vous salue, Famille Musulmane de Guinée. Merci beaucoup. C'est les frères qui ont envoyé à Toulmadjid ici. Allahu Akbar. C'est eux qui nous ont guidés et nous sommes sur leur pas. Allahu Akbar. Frères, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allah vous bénisse, Inch'Allah. Ça a été une réussite, Inch'Allah. Allah, Wallah, Wallah. On a Elage Morike Sako. Non. La voiture qui est arrêtée ici, c'est lui qui nous a mis à notre disposition. Depuis notre arrivée jusqu'aujourd'hui. Depuis notre arrivée à l'aéroport jusqu'aujourd'hui, la voiture est à notre disposition. Vraiment. C'est Elage Morike Sako qui a fait ça pour nous. Allah le récompense. On a M. Abdoulaye Djikini. Oui. On a Mme Djaouné Alama, même si elle est membre. Oui. Si elle est membre, même si elle est membre, il faut la remercier. Mme Djaouné Alama, elle est Djané aussi. Donc elle est Djané. Voilà, c'est la sœur. Voilà, les Djané, ils ont fait beaucoup de choses. Qu'elle facilite. On a Soufiane Dabo. Non. Mohamed Habib Djané. Oui. Mamoudou Djané. Oui. Sidikiba Djané. Et les Djané. Peut-être comme c'est leur frère qui est venu, c'est pourquoi ils ont fait ça. Hein? Ils m'ont honoré vraiment. Voilà. On a Mariam Touré, oui. Fatoumata Djané, Zénab Doukouré. Et sans oublier notre cuisinière. Eh, ouais. Madame Doumbouya. Voilà. Makaba. Vraiment, merci ma soeur. Voilà. Qu'à sans oublier. Y a une partie. On a Mariam Konaté, Oumoussano, Madame Doukouré. Oui. Le directeur communal de la jeunesse, oui, de Matoto, oui, et le maire Mamadou Bakar. Vraiment, on les dit merci beaucoup pour leur le effort. Cabinet Kouyaté. On les dit merci pour leur effort. Monsieur Nouankaba, son nom revient ici encore parce que c'est un grand. Et à Monsieur Cramon, soirée de Londres. De Londres, grand frère, merci beaucoup pour ta participation. Voilà, bonne guérison à ton enfant également. Voilà, on a notre frère Mohamed de Amtro TV. Oui, Amtro TV, oui. C'est le lieu de le faire. Monsieur Abakar Diallo de Film FM qui a envoyé le média. Effectivement. Monsieur Abakar Diallo. Et tous les membres du bureau exécutif national, il faut remercier ces gens. Vraiment. Et notre frère qui a quitté jusqu'à l'abbé. Oui. Pour venir depuis ici. Qu'on est là. Notre frère, il est là. C'est lui, c'est le président. Je vous informe déjà qu'il est le président de la DDR. De la DDR à l'abbé. Tous ceux qui veulent adhérer. Allahu Akbar. Voilà, tous ceux qui veulent adhérer à la DDR à l'abbé, voici la personne qu'il faut contacter, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous les antennes sont remerciées. Tantan Sigiri, Zerekoué et tous les autres, Inch'Allah. J'aimerais répéter le numéro pour ceux qui veulent adhérer à la DDR. Le numéro pour ceux qui veulent adhérer à la DDR, c'est lequel, s'il vous plaît? Le numéro, c'est le 625. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Ceux qui veulent adhérer, ceux qui veulent aussi se mobiliser pour nous réinviter, Inch'Allah, l'année prochaine. Voici le numéro à contacter. 625. 68. 68. 66. 45. 45. Je reprends. Oui. 625. L'indicatif, c'est le 224. Hein. Voilà. 625. 68. 68. 66. 66. 46. 46. C'est pour tous ceux qui veulent adhérer. Tous ceux qui sont en Guinée, qui veulent adhérer. Voilà. Ceux qui sont en extérieur, ceux qui veulent appeler, Inch'Allah. Voilà. On va aller saluer nos imams. Et puis on va revenir ici donner un dernier mot à notre frère avant de essayer de voir ce programme va nous dire. Tout le monde reste à sa place. Merci. Ah.
on peut tout là. Restez sur place, s'il vous plaît, c'est pas terminé, restez sur place. On tire pas photo, tu. Doucement. Je pense que les installations sont terminées. On va poursuivre. Restez en place, s'il vous plaît. Le qui débarque. Restez en place. Allons-y. Camarade, viens. Voilà, c'est bon ici. Donc, je crois que... Allons-y. Sécurité. Oui. On va aller avec toi pour terminer. Je vais aller avec ma dernière question. Allez, légèrement, oui. Avec ma toute dernière question. Allons-y. Voilà, parce qu'on a trop parlé. Maintenant, je dis... Bon, vous supposez que Jésus n'est pas Dieu. Lui-même, il a dit que Dieu est là. Vraiment, c'est ça, non? Merci. Et, si vous me permettez, en fait, ce n'est pas nous qui rejetons la divinité de Jésus. Dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et nulle part, il dit bien nulle part dans la Bible, Jésus-Christ proclame que je suis Dieu. Maintenant, pourquoi il demande de prêcher en son nom? Maintenant, quand on dit de prêcher en son nom, là, le prophète Mohammed sur la salle demande de prêcher en son nom, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Prêcher en son nom, ça veut dire quoi? On prêche au nom de Jésus. Mais est-ce que prêcher au nom de Jésus fait de Jésus une divinité? Non. Jésus, tu as parlé de miracles tout à l'heure. Tu sais que Pierre, l'apôtre Pierre, il a ressuscité des morts. Est-ce que ça fait de lui une divinité? Non. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Mais pourtant, dans la Bible, Dieu dit je suis Dieu. Voilà. Maintenant. Mais le Dieu qui a dit je suis Dieu, ce n'est pas Jésus. Montre-moi où un verset biblique, là où un verset coranique, là où Mohammed dit. J'ai prêché en son nom. Non, en fait, d'abord, il faut connaître l'histoire. Si ce n'est pas littéralement écrit, c'est la même chose. Frère, oui. C'est ce que même aujourd'hui, je parle là. Il y a des rabbins, il y a des juifs qui prient au nom de leur rabbin. Ça se faisait déjà dans le passé. Moi, on te dit bien, ce n'est pas parce que Jésus a dit de faire en son nom que ça fait de lui une divinité. Si tu lis Matthieu chapitre 7, verset 21 et suite, tu verras que le fait de prier en son nom ne fait pas de lui une divinité. Mais attends, je vais finir. Pasteur. Allô, ah voilà, c'est bon. Pasteur, ce que nous disons, ce n'est pas nous qui disons que Jésus, c'est pas nous qui affirmons que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. C'est pas nous. D'accord. Déjà, ce débat là, mais tu peux faire avec des chrétiens. D'accord. Il y a des chrétiens qui ne croient pas en ça. Témoins de Jéhovah. Oui, ouais. Et puis même, tu peux le faire même avec même des chrétiens qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Par exemple, toi, tu es quoi? Évangélique. Je suis évangélique. Alors, tu peux le faire même avec des catholiques. Parce que la conception de Jésus évangélique n'est pas la même conception de Jésus des catholiques. C'est clair. Tu vois, non? Donc du coup, quand il parle de Jésus et Dieu, c'est pas aux musulmans, c'est pas les musulmans qui réfutent, c'est qui refusent. Mais c'est Jésus qui refuse ça. Ouais, Jésus lui-même refuse d'être Dieu. Voilà. Mais à moi, mon problème avec vous, pourquoi vous n'allez pas me convaincre? Parce que Jésus a dit, tout ce que vous faites, faites à mon nom. Donc moi, je prie au nom de Jésus. Je chante au nom de Jésus. Je fais tout au nom de Jésus. Mais là, qu'est-ce qui peut m'empêcher de le faire? Tandis que Jésus me l'a ordonné. Maintenant, Jésus lui-même, il prie au nom de qui? Jésus. Lui-même, il priait au nom de qui? Il faisait un miracle au nom de qui? Il priait au nom de qui? Au nom de Dieu. Son Père. Maintenant, il priait qui? Attends. Il priait au nom de qui? Non, vous pouvez prier au nom de Jésus. Vous pouvez prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, là, c'est pas ça le débat. Est-ce que Jésus lui-même, il priait au nom de qui? Il priait au nom de son. Vous voulez me faire revenir dans le même sujet? Jésus priait au nom de son Père. Son Père qui était en lui. En lui. D'ailleurs, Jésus priait en son nom lui-même. D'ailleurs, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie. C'est vrai. Je suis la vérité. Nul ne vient personne par moi. Et vous qui ne passez pas par Jésus là, est-ce que Dieu va vous recevoir? Dieu va recevoir les musulmans? Parce que Jésus dit, je suis le nom. Il n'y a pas un autre chemin sans Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Mais c'est Jésus qui a dit, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. C'est bon. Parce que écoutez, je dois apprendre. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. On est plus. C'est pas une idée. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Quand moi, je t'écoute, j'ai comme l'impression, oui, c'est que
et de refaire l'exercice à zéro. Pourquoi? Quand tu dis Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi, c'est-à-dire que si à part lui, il n'y a personne. C'est que tu n'as même pas compris Jésus. Regarde, Jésus dit à ses disciples, il y a des rappelés une parole de Jésus, tu vois que il y a quelque chose qui t'a échappé. Je lui dis dans la Bible, vous savez où je vais. Je vais au Père. Je vais vous préparer une place. Il a dit quoi? Une place dans le royaume de mon Père. Jésus dit, va préparer une place. Une place. S'il dit, va préparer une place. Et les autres places là. Okay. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, oui. Il dit, attends, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé par il y a plusieurs. Oui. Plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors c'est lui, ça prend une place. Vas-y, continue. Mm-hmm. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon si Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Mm-hmm. Je vais vous préparer une place. Dans plusieurs là. Je lui dis, il va préparer une seule place. Et le reste là, c'est pour qui? Maintenant, remontez en haut du verset pour comprendre. Parce que ne me faites pas manger dans la société. C'est une place. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une place que je suis pas en train de faire? T'as dit nul ne vient au Père, non? Il dit, je suis le chemin. Donc, c'est-à-dire que c'est le seul nom. Le certain article défini, ça veut dire à part lui, pas d'autre chemin. Merci. Maintenant, il dit, il y a plusieurs places. Attends, est-ce qu'il a dit, il y a plusieurs places au paradis? Est-ce qu'il a dit, il y a plusieurs places? Oui, il dit, il y a plusieurs demeures. C'est ce qu'il a dit. Très bien. S'il y a plusieurs places, lui, il va préparer combien de places? Je suis allé voir. Hey, il dit, une place. Alors, il y a plusieurs noms. Une place. Il y a plusieurs. Bien sûr. Et puis, lui, il va préparer une place. Oui. Maintenant, le reste, là, les autres places, c'est pour qui? Les gens. C'est pour qui? Il y a la place des gens, la place de Dieu lui-même, la place de Jésus et la place de nous qui suivons le Seigneur Jésus. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous me suivez, je vais vous expliquer. Attends, doucement. Excuse-moi, mais tu vas dans tous les sens. Vous qui suivez Jésus, là, il a déjà dit qu'il va vous préparer combien de places? Une place, non? Bien sûr, une place pour les hommes. Pour nous les hommes. Attends, il dit qu'il va préparer une place pour vous. Nous, les hommes. Pour vous. Oui. Maintenant, les autres places, là, c'est pour qui? Mais là, c'est ce que je t'explique. Tu reviens à la même question. Je n'ai pas entendu, tu dis que c'est pour qui? C'est ce que tu reviens à la même question. C'est pour qui? C'est pour Dieu lui-même a une place. Dieu a place au paradis. Jésus a une place. Attends, Dieu, il a place au paradis. Bien sûr. Je t'explique. Je veux savoir. Inverse, je veux savoir que le Père, le peuple de Moïse, le peuple la place au paradis, là, Moïse, s'il vous plaît. So, je veux savoir. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Non, est-ce que vous, est-ce que il vous m'écoutez? Il prie comme ça, mais il ne veut pas me permettre de te montrer. Est-ce que vous m'écoutez? On est en train de comprendre. Je veux savoir. Le peuple de Moïse ont cru en Moïse à d'une vienne. Ils iront en enfer ou ils iront au paradis? Parce que les autres places là, c'est pour les autres prophètes, le peuple des autres prophètes qui ont suivi les prophètes. Ceux qui ont suivi Abraham, ils auront leur place. Ceux qui ont suivi Moïse, ils auront leur place. Donc parce que Jésus n'était pas là, ceux qui ont suivi Moïse, ils vont en enfer quoi. Frère, si vous ne m'écoutez pas, on va conclure. Hein. Et je vais conclure tout de suite. Attends. Depuis là, vous, quand vous tenez la parole, vous me posez la question. Et tu ne réponds pas. Il demande. On est allé au bout de notre idée. On dit. Vous défendez l'idée. Attends. Écoutez, pasteur. Notre idée, c'est que oui. Jésus donne. Jésus là, il dit là, vous préparez une place au paradis. On est d'accord. Mais c'est pas à vous. Avec lui, c'est pas à vous qu'il a parlé. Jésus n'a jamais. Tu peux pas montrer un verset où Jésus est venu pour vous. Ça fait rien, mais c'est pas le sujet. Je veux te dire. Quand Jésus dit il a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il y a plusieurs moyens qui vont au paradis. Tu dis que Jésus est le seul. Lui, il te demande, est-ce qu'au temps de Moïse, là, il fallait croire en Jésus pour être sauvé? Dès la preuve en est tout temps. Les Moïse ont eu l'exception. Moïse, personne ne peut montrer la tombe de Dieu. On dit Moïse est mort. Qui a parlé de tombe? Est-ce que ceux qui sont morts ont cru en Moïse, là, ils vont aller en enfer? Ils ont cru en Moïse. Il y a plusieurs prophètes qui sont morts. Est-ce qu'ils ont cru en Moïse? Ils vont aller en enfer. Est-ce que le peuple de Moïse, le peuple de Moïse, le peuple de Moïse, ont cru en Moïse, vont aller en enfer? Ils sont beaucoup sont allés en enfer. C'est pas ce qu'il y a dit. Ceux qui ont cru que Moïse est vrai, ils ont marché, ils ont respecté la Torah, ils sont morts, ils vont aller où? C'est ce que j'ai dit. Beaucoup d'entre eux, sauf ceux qui ont l'expression, beaucoup sont allés en enfer. Ceux qui ont cru en lui, j'ai dit ceux qui ont cru en Moïse. Tu peux montrer ça dans la Bible? Je montre dans la Bible. Le peuple de Moïse est pour montrer. Le peuple de Moïse est pour montrer. Le peuple de Moïse, faut montrer. Alors, on parle plus, faut montrer. Alors, dans Matthieu 27. Vas-y.
C'est-à-dire pour eux là, il n'y a pas quelqu'un avant Jésus. C'est-à-dire que Jésus, Abraham, Noé, et tout cela, ils vont en enfer. Pour montrer que si on n'a pas vu peuple de Moïse là-bas qui va en enfer. Voilà, on va lire le livre de Matthieu 27. Commençons par le verset 45. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre ça. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il tenait sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne te posez pas la question. Voilà, quelques-uns de ceux qui étaient là-bas, le verset un peu long. Maintenant, je viens au verset 51 pour vous éclaircir. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas de la, jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'est fendu. Verset 52. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Ça, c'était après la mort de Jésus. C'est où dit Moïse, dit Moïse, son peuple de Moïse. Ce n'est pas littéralement. Alors, on ne peut pas te foutre de Moïse. On dit les saints qui étaient morts. Qui sont saints. Ils sont ressuscités par les où? C'est avant Jésus. Avant Jésus. Attends. Pour monter au ciel. Arrête de te toi-même, tu lis, non? Tu sais que c'est pas ça, pasteur. Tu lis. Tu sais que c'est pas ça. Mais tu veux toi-même te convaincre que ce qui est lit là, c'est ça. Non, c'est pas ça. On t'a demandé, est-ce que tu as un verset de la Bible qui dit que ceux qui ont cru en Moïse vont aller en enfer? Attends, tu as dit oui. On dit, voilà pourquoi on vous demande, non? Voilà pourquoi moi, écoutez, j'ai pas encore fini de parler, excusez-moi. Voilà pourquoi moi, j'ai pitié. Vous savez de quoi? J'ai pitié pour ceux qui se mettent à genoux en bas de vous. Toi-même, tu fais une affirmation. J'ai pitié des gens qui me suivent. Des gens qui se parlent là. Attends. Regarde, on te pose une question. L'honnêteté, un homme intègre et honnête, il dit ça là, c'est pas écrit. D'abord, je reconnais que c'est pas écrit. Mais je vais vous prêcher, je vais vous donner un autre verset, et puis je vais vous donner ce que je pense du verset. Toi, tu dis, ceux qui ont cru en Moïse là, ils vont aller en enfer. Tu as le verset. Alors dis-moi le verset, tu lis Matthieu 27, verset 45, après tu lis verset 50, merci. Où on parle des résurrections des saints. Est-ce qu'ils ont dit que ceux qui ont cru en Moïse avoir leur enfer? Je sais. Attends, je n'ai pas encore fini. Est-ce que celui qui doit aller en enfer peut l'appeler saint? C'est toi-même tu lis quelque chose, tu sais que ça n'a rien à voir, mais tu veux nous faire croire que c'est vrai. Merci. Ce n'est pas littéralement. Merci beaucoup. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas littéralement écrit. Mais pourquoi tu as lu verset là maintenant? Voilà. Parce que la Bible dit dans Hébreux que le sang des boucs et des taureaux que Dieu a offert à Moïse. On va donner ça l'année prochaine. Ne pardonnez pas les péchés. Merci beaucoup. Non, la dernière question. Merci beaucoup à la population de la Guinée. Merci beaucoup à la population. On vous dit merci. Jésus est qui pour vous d'abord? Guinéenne. Jésus est qui pour vous? Non, pour vous, Jésus est qui? Voilà, pourquoi vous avez dit Jésus? Jésus. Il est qui? D'accord, il est pour nous, Jésus est qui? Prends le micro. Pour nous, Jésus est qui? Selon la Bible, le courant, c'est un envoyé de Dieu. C'est tout. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est fini. Pour venir sauver les enfants d'Israël. Merci beaucoup à la population de la Guinée. C'est un honneur. On va lever le nom tout le monde. On va le prochain. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Ashhadu. Ashhadu. Comment tu vas? Voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui c'était l'apothéose, la fin, n'est-ce pas, de notre tournée. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Inch'Allah? Bon, je ne vais pas parler beaucoup de langue française. Faut parler en anglais.
Allez, je déjà. Ok, Inch'Allah, merci beaucoup, Stas. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Yvan le Roi. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette photo? Moi, je suis vraiment content et satisfait. Ouais. Dès au début, nous sommes là, nous vivons. Et depuis au début. Bon, comme on le dit à Nouchi, on est là depuis au début du commencement. Ouais, vraiment. Et je vous encourage. Félicitations. Inch'Allah, on vous attend encore l'année prochaine. Inch'Allah. Venez la Guinée chercher vous. On est ensemble. Merci comme beaucoup, on le dit chez nous, on est Hanyari à la café. Le peu de ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, interdit. Eh, interdit. Où est-ce là? Salam alaikum Stas. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors Inch'Allah, je vois que tu es joyeux là. Oui, très très bien même. Exprime-nous un peu. Ah bon. Exprime-nous ta joie. Au fait, là aussi comme ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Donc lors de la conférence, dans le débat entre les musulmans et les chrétiens, nous avons tous dit que l'islam est une religion. L'islam est une religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, une religion que nous musulmans dans laquelle nous sommes nés, nous devrons chercher à connaître notre religion pour confronter d'autres personnes aussi qui veulent nier, qui veulent pas connaître que l'islam est la religion. La religion d'Allah, la religion claire, une religion aussi qui montre le bon comportement à l'être humain. C'est une religion. Merci beaucoup. Nous sommes très 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 contents aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je prends le frère. Salam. Allez-y frère, votre impression. Moi, mon nom c'est Bari Mohamed Baché. Allez-y. Je suis un fan de la DDR. Inch'Allah. Et je remercie beaucoup votre présence à Guinée. Et de la même manière que vous vous êtes formé, ce que je vais dire. Je conseille aussi à la jeunesse guinéenne de bien apprendre la Bible. Parce que ce qu'on a compris aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Coran que nous allons apprendre. Nous allons apprendre le Coran et la Bible pour mieux se performer et avoir aussi des représentants en Guinée comme les Oussa Diané et les Ismaël Aka. On a compris aujourd'hui, la jeunesse musulmane est contente. On est fier pourquoi on est musulman. On est fier et puis on va encore se concentrer de plus en plus et prier Dieu de nous maintenir dans la religion musulmane et qu'essaye de convertir plusieurs autres chrétiennes et les faire rentrer dans la religion musulmane. Merci beaucoup. Inch'Allah, je vais continuer. Salam alaikum. Salam alaikum. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, des mots? La présence du DDR a été vraiment bien passée. Allah Akbar. Allez-y. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. Comment allez-vous? Votre impression, Inch'Allah. Oui, j'ai été impressionné par les débatteurs. Inch'Allah. Vraiment, ils sont capables de défendre leur religion. Quel,
quel est le conseil que tu peux donner à la jeunesse musulmane, surtout les filles musulmanes de la Guinée? Ce que je peux donner aux filles musulmanes, c'est que c'est de t'attacher à ta religion. Quoi. Moi, je n'ai pas assez d'habillement. Merci beaucoup.